capable de dire non, comment s'émanciper des formes de domination qu'on subit, comment faire collectif. Mon père aussi, il était allé à l'usine de chaussures. Alors pas à 14 ans, mais à 16 ans. Il a intégré une usine de talons, qui ne fabriquait que des talons. Mon père, il parlait haut et fort, hein, il aimait bien ça. Mon père, lui, il croyait à la lutte des classes. Il croyait que si les classes populaires et les classes moyennes s'alliaient, elles pourraient détrôner le patronat et la bourgeoisie. Ouais. Assez vite, il s'était syndiqué. Hein. Il s'était syndiqué à la CFDT. Alors je dis ça parce qu'à l'époque, la CFDT, c'était un syndicat. Rien à voir, c'est pas du tout une branche du MEDEF. Et donc, mon père, pour lui, l'école, c'était hyper important. Il n'y était pas allé, alors... il disait, si tu vas à l'école, t'as un diplôme. Si t'as un diplôme, t'as un métier. Si t'as un métier, tu peux participer à la société. Si tu participes à la société, tu peux la changer. Il disait, c'est de dedans, quoi. Faut pas rester comme ça sur le quai de la gare. Faut monter dedans. Faut participer. C'est de dedans pour changer les choses. Ma mère, elle était institutrice. Elle était devenue institutrice. Alors, elle avait pas du tout, ses parents n'avaient pas du tout les moyens, mais il y avait un prof qui l'avait repéré et qui lui avait obtenu une bourse qui lui avait permis de faire l'école normale pour devenir institutrice. Ma mère, elle était socialiste. Ou plutôt, elle était mitterrandiste, mais j'ai pas du tout trouvé de définition. Personne ne sait, c'est trop confus. Ma mère, elle croyait vachement à l'école de la République, à l'ascenseur social. C'était vraiment son truc, quoi. Tous les deux, ils avaient vécu mai 68, chacun de leur côté. Mon père à l'usine, avec les accords de Grenelle. Et mon père et ma mère, c'est l'année où on a donné le fameux bac 68, quoi. Cette révolte simultanée des étudiants et des ouvriers. Waouh, un espoir de grand soir, quoi, par la rue. Aucune conquête sociale n'a été acquise autrement que par la rue. 35% d'augmentation du SMIC, 10% d'augmentation des salaires, la quatrième semaine de congés payés. Ouh, là, en grand soir, ouais. Chez moi, on parlait politique souvent. On parlait politique tout le temps, en fait. On parlait politique en regardant des émissions politiques. Hein, je ne sais pas si vous êtes ça chez vous. Nous, à l'époque, c'était droit de réponse. Donc, c'était des gens qui buvaient des coups, fumaient des trucs, parlant très très fort. Et c'est celui qui parlait plus fort qui avait raison. Donc, ça existe toujours. Hein, c'est celui qui parlait plus fort qui a raison. Nous, on faisait ça avec mes parents devant la télé. Quoi. On parlait très très fort, on ne s'écoutait pas, mais c'est ça qui était important. Quoi. Ouais. Moi, j'étais hyper fière d'être fille ouvrière. Prolo, c'était la classe. Moi, je trouvais ça super classe, prolo. Moi, à l'école, je jouais pas aux cow-boys et aux indiens, quoi. Je jouais aux prolos et aux bourgeois, et c'était toujours les prolos qui gagnaient. Et ouais. À moi, en fait, je croyais que tout le monde était de gauche. Je croyais qu'un jour, les ouvriers, ils prendraient le pouvoir et qu'ils créeraient un monde plus juste. Ouais. À 12 ans, en fait, j'étais marxiste révolutionnaire. Je voulais, humblement, et à moi toute seule, abattre le capitalisme. J'ai bien déconné, moi. Enfin, moi, j'avais une vision du militant hyper romantique, quoi. Pour moi, le militant, c'était celui qui sacrifiait sa vie pour ses idées, qui mourait sur les barricades en donnant son nom à une école, un truc comme ça, quoi. Ouais, un truc vachement romantique. C'était beau, quoi. Alors, quand je ne milite pas, je ne fais pas que ça, quand même, je fais du collage. Tadam! Des gens, ils ont oublié. C'est-à-dire. Bon, bref, c'est moi qui l'ai fait quand même. Bravo! Ah! Je sais que ça fait du temps, moyennement spontané, mais tant pis, ça me fait ça. Alors, le collage, c'est un mouvement artistique qui a été créé au début du 20e par les dadas. Les dadas, c'était une bande d'anarchistes, quoi. Ils voulaient tout péter, quoi. Les codes esthétiques, politiques, poétiques, ils voulaient tout revoir. Et donc, ils ont inventé le collage. Bon, alors en fait, je fais ça parce que j'ai aucune qualité artistique. Je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre, je ne sais pas sculpter. Donc, j'emprunte aux autres leur talent et j'assemble. Voilà. Bon, ça m'occupe surtout, quoi. Et alors, dans le collage, il y a plusieurs
courant, selon que l'on veut mettre en avant la matière ou la récupération. Il y en a qui font du collage avec de la matière brute récupérée dans la rue, ou alors l'image, ce qui est plutôt en courant. Enfin bref, et en commençant, en écrivant cette conférence gesticulée, je me suis dit, il faut que je leur trouve une définition du collage pour qu'ils comprennent bien. Quoi. Donc j'en ai trouvé. Elle est de Michel Sefort. Je ne savais pas qui était Michel Sefort, j'ai regardé. Donc Michel Sefort, c'est un critique d'art. Critique d'art. C'est la classe comme métier quand même. Salut toi, tu fais quoi? Ben moi, je critique de l'art. Je dis si c'est bien ou pas bien. Et sinon, tu fais quoi comme métier? Bon, bref. Alors Michel Sefort, en 56, il dit « Coller, c'est superposer des éléments tout faits, parfois hétéroclites, en demandant de part et d'autre une adhésion définitive. » Oui, c'est pas fou les Michel, quoi. Hein. Oui, ok, d'accord. Alors, sauf que moi, en lisant ça, j'ai pas du tout pensé au collage. J'ai pensé à autre chose. Moi, j'ai pensé à ça. La gauche plurielle. Vous vous souvenez de la gauche plurielle? Vert, PC, socialiste, hein? Alors vous allez voir. Je relis avec la définition de Michel Sefort, ça marche. Coller, c'est superposer des éléments tout faits, parfois hétéroclites, en demandant de part et d'autre une adhésion définitive. La gauche peut réellement, Michel, en fait. Il a des grosses anticipations chez Michel. Et alors, ça fait peur quand même. Et alors, j'en ai chié à la récupérer, ça. Hein. L'affiche du deuxième tour des présidentielles de 95, Lionel Jospin. Alors, il a quand même fait 14 millions de voix, parce que tout le monde se marre quand je la sors, mais 14 millions de voix. Non, personne... Il n'y a que moi qui ai voté Lionel Jospin en 95. À chaque fois que je l'ai, tout le monde dit « Oh non, je te... » J'avais pas l'âge. En tout cas, Lionel Jospin, il avait un slogan avec Lionel Jospin, c'est clair. On ne savait pas ce qu'était clair, mais c'était clair. Il y avait un autre slogan, 95, c'était « Lionel Jospin, le président du vrai changement ». Ils ont un gros souci avec le changement en PS. Ce gars-là, il a fait un forfait. Il a utilisé le changement pendant 30 ans. Enfin bref, Lionel Jospin. Alors la question, ben, c'est pourquoi? Ou comment? Enfin, c'est à quel moment Lionel Jospin et la gauche plurielle en sont venus à incarner mon idéaliste de petite fille de 12 ans marxiste révolutionnaire. Hein? À quel moment j'ai dérapé, quoi? C'est ça la question. Je me souviens de ma première émotion politique, c'était en 81. J'avais 6 ans, Mitterrand arrivait au pouvoir. Waouh! 74% des ouvriers avaient voté pour Mitterrand. Mon père avait voté pour Mitterrand. Ils étaient venus rejoindre le traditionnel vote des instits et des profs pour Mitterrand. Ma mère avait voté Mitterrand. Les classes populaires et les classes moyennes s'étaient retrouvées dans les urnes. Ah mais ça, c'était un début de grand soir, on y croyait vachement. En fait, peut-être que le grand soir, ça peut aussi arriver vers les urnes. C'est ça qu'on s'était dit, quoi. En 68, il y avait eu la rue, et puis là, en 81, il y a eu les urnes. Waouh, le OPS, c'est l'affolement. 150 000 nouvelles demandes d'adhésion. Ma mère adhère au Parti Socialiste. Ça y est, les ouvriers allaient être au pouvoir, on allait changer le monde. Ah, vache! Oui, vous vous souvenez, il y a eu 83, le tournant, la rigueur, les dévapations. En fait, il a bien commencé à mettre en place son programme à Mitterrand pendant 2 ans, les fameuses 110 propositions, dont certaines étaient extraites du programme commun écrit avec le PC quelques années avant. Ça avait bien commencé, quoi. Les 39 heures, augmentation des salaires, et 83, bah, lors de ses traditionnels vœux de bonne année, sa vie vient à la télé pour me dire « Bonne année !» Ok. Tu fais ce que tu veux. Et Mitterrand ne dira pas un mot sur le capitalisme. Rien qu'avait été son ennemi juré pendant toute sa campagne, quoi. Okay, on a des noms en tête, quoi. Rien,
rien du tout, quoi. Alors aujourd'hui, quand on parle de 83, ou alors les livres d'histoire, ou quand les journalistes racontent, ils disent « Oui, alors donc, à 83, François Mitterrand prend enfin la mesure de son poste, endosse la vie présidentielle et fait les réformes nécessaires. » Alors, je vais m'arrêter sur cette petite expression, « réformes nécessaires ». On va en rencontrer plusieurs au cours de la conf, des expressions comme ça que j'appelle « de langue de bois », qui ne veulent rien dire du tout, mais qui quand même ont pas mal de conséquences sur notre quotidien. Et elles portent souvent le nom de figures stylistiques. Là, en l'occurrence, réforme nécessaire, c'est un faux ami. Vous savez, à l'école, on nous apprend plein de figures stylistiques. L'oxymore, le pénard, tout, on se demande pourquoi ça sert. T'es hyper angoissé, tu les confonds tous. Et en fait, ça sert à débusquer la langue de bois. Alors, on va les faire. Et donc, la réforme nécessaire, bon, alors en fait, c'est qu'il y a un tour le bois. Bon, déjà, réforme égale, on va perdre quelque chose. C'est obligé, quoi. Et nécessaire, eh ben ça veut dire que ça n'est pas. Mais comme on va perdre quelque chose, il faut changer notre regard, quoi. Il faut accentuer le regard sur nécessaire. Du coup, tout le monde est là, tout le monde dit, bon alors, comme c'est nécessaire, comment on fait, hein? Alors que la vraie question, c'est, t'es sûr que vous le faire, quoi. Moi, je ne crois pas tellement. Donc voilà, réforme nécessaire. Comme si François Mitterrand, il n'avait pas le choix en 83, comme si c'était naturel, c'était ça qu'il devait faire. Alors qu'en fait, déjà autour de lui en 83, ils ne sont pas d'accord, quoi. À sa gauche, il a plutôt des chevènementistes, Jean-Pierre Chevènement, qui le poussent à continuer à mettre en place les 110 propositions anticapitalistes. Et puis à sa droite, il a plutôt des gens comme Jacques Attali. Jacques Attali. Ouais, le gars, il est tout bon tout le temps. Bingo, j'ai dû tous faire. Il est là pour tous les présidents. C'est bon, ça. Enfin bref, qui le pousse au contraire à faire les réformes nécessaires. Et c'est ce qu'il fera au nom de la compétitivité de la France pour rester au sein du système monétaire européen compétitif, notamment face à nos amis allemands. 83, on me l'a dit déjà, celle-là. Ouais. Alors, de là commence une grande histoire d'amour entre le Parti Socialiste et le MEDEF et le début d'une modification du politique, en tout cas de sa fusion avec l'économique. Là, de là, arriveront des hommes politiques qui se sentiront tout à fait légitimes à se réclamer socialistes. Des gens comme Jacques Delors, Michel Rocard, tu dis le nom, les gens se marrent. Lionel Jospin, François Hollande, Manuel Valls. Même Macron, il avait dit « je suis socialiste ». Ça, c'est permis, quoi. À partir de 1983, les socialistes cessent de s'occuper de l'émancipation des dominés. C'est plus leur problème. Alors, pour justifier quand même cette rigueur, ce tournant, sans avoir à renier la ligne quand même marxiste du PS, François Mitterrand invente une théorie complètement fumeuse mais hyper efficace qui s'est appelée la théorie de la parenthèse. Hyper simple. Oui, alors donc, nous devons faire les réformes nécessaires, nous devons prendre les mesures qui s'imposent pour rester. Bref, nous allons ouvrir une période de rigueur et puis quand on aura tout bien mis en place, nous la refermerons et nous reprendrons le cours de notre programme. Alors, ils l'ont bien ouverte, hein, on a bien vu, là, quand même, ça, c'est clairement vu. Par contre, là-bas, personne n'a pensé à la fermer, quoi. On y est encore, quoi. Ouais, on s'est bien fait arnaquer, quoi. Parce que, au PS, ma mère, elle est partisaniste, elle est marxiste, personne lui dit, oh, ça va pas, non. Non, non, c'est possible. Au PS, il y a même des trotskistes. Il y en a beaucoup, mais il y en a. Au PS, il y a même des lambertistes. Alors, les lambertistes, qu'est-ce que c'est? C'est un sous-courant trotskiste. Dans les années 50, le mouvement trotskiste se sépare en trois. Lutte ouvrière, d'un côté, avec Nathalie Arthaud. La LCR, qui deviendra l'NPA, avec Poutou, et puis l'OCI, l'Organisation communiste internationaliste, autrement appelée les Lambertistes, parce que créée par quelqu'un qui s'appelait Pierre Boussole, dont le surnom était Pierre Lambert, d'où Lambertiste. Les Lambertistes. Ils ne sont pas connus, mais ils avaient une stratégie politique qui consistait à faire de l'entrisme, à se faufiler dans d'autres mouvements politiques pour faire connaître leurs idées, une méthode voilà, assez connue qui fonctionne pas mal. D'ailleurs, ils seront à l'origine de la création du syndicat étudiant, l'UNFID. Et
puis on les retrouve au sein du Parti ouvrier indépendant, qui avait présenté un candidat, je pense, il y a 10 ans, sous le nom de Gérard Schilardi, dont on est sans nouvelles. Et voilà, et donc les lambertistes, il y en a plein aujourd'hui de connus, les lambertistes. Il y a Jean-Luc Mélenchon, qui a été lambertiste. Il y a l'ancien premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis. Et puis, il y a mon gars Lionel. Il était lambertiste. Il est rentré chez les lambertistes en 1971. Et chez les lambertistes, souvent, tu as un pseudo. Hein, pour passer les appels anonymes. Et lui, il s'appelait Michel. Et Michel, il avait une mission, c'était donc d'infiltrer le PS pour faire, pour répandre les idées lambertistes. En 82, après l'élection de Mitterrand, Lionel Jospin devient premier secrétaire du PS. Bien, bien, bien intégré, quoi. Là, on peut dire qu'il a fait corps avec son sujet, quoi. Hein. Ouais. En fait, il est devenu premier secrétaire un peu par cooptation, notamment de Mitterrand, quoi, qui n'était pas du tout la chose, mais qui avait besoin de quelqu'un pour répandre au sein du Parti socialiste la fameuse théorie de la parenthèse, hein, de la faire passer que c'était vraiment super, que ça ne durerait pas, qu'on referait ce qu'on avait dit qu'on ferait avant. Et donc, c'est ce qu'il a fait, Lionel Jospin. Alors évidemment, ça, quand on est parti socialiste, on ne te le raconte pas. Quoi. Ça, c'est des trucs, ça ne sert à rien qu'on te raconte. En 1989, mon père est licencié de son usine de talons. Licencié, alors, pour fait syndical. Alors, je dis ça, évidemment, c'était complètement illégal déjà à l'époque. En tout cas, quand arrive le premier plan de licenciement et que son nom est tout en haut, il n'est pas étonné du pourquoi. Il se doute bien que son militantisme n'a pas joué en sa faveur. J'ai vu mon père, à 45 ans, retirer son bleu de travail, avec lequel je l'avais toujours vu. Vous savez, un bleu de travail taché, mais pas sale. C'est la fierté de l'ouvrier. J'ai un métier salissant, mais je me lave. Quoi. Moi, je l'avais toujours connu avec ce bleu de travail. Quand il partait le matin, il avait son bleu, je ne le voyais jamais en tenue différente, à part l'été, quoi. Et là, il l'a enlevé. Et il a mis un jean, je trouvais ça, waouh, trop bizarre. Moi, j'avais 14 ans, et je ne comprenais rien du tout. Quand même, mon père, il était ouvrier, syndicaliste, c'était la gauche qui était au pouvoir, mais on n'avait pas dit que c'était les ouvriers qui... Et lui, il était licencié. Et mon père, il était toujours socialiste. Là, la théorie de la parenthèse, elle avait bien marché, quoi. Il continuait d'y croire, quoi. En 89, il s'est passé autre chose, de la grande histoire, cette fois, c'est la chute du mur de Berlin. La fin du bloc communiste. Et la gauche, au lieu d'en côté pour se réinventer, va se clapmurer dans sa culpabilité et va laisser la place au capitalisme. La pensée unique est en marche. Ça devient le seul modèle économique possible. On disait même à l'époque, alors vous allez voir en anglais, parce qu'il y a toujours un problème, « There is no alternative ». Alors c'est sûr que si le Parti Socialiste, eu égard à mon histoire familiale, était un peu mon parti politique d'origine, de cœur, j'avais quand même des trucs sur lesquels je n'étais pas tellement d'accord. Et comme mon père, il m'avait dit, c'est dedans, quoi, faut pas rester comme ça, là, faut participer, quoi, faut changer les choses de l'intérieur. D'accord. Alors, j'ai adhéré. En 2000, j'adhère au Parti Socialiste. Alors, quand on adhère dans un parti, on paye une cotisation. À l'époque, c'était 1% de mon salaire annuel. Et alors là, ça te permet de devenir militant de base. Alors, le militant de base, pour moi, le militant de base, c'était celui qui vivait des choses sur le terrain, qui les faisait remonter là-haut, qui partageait du collectif, qui disait « voilà, on a expérimenté des choses, voilà comment il faudrait faire à plus grande échelle ». Bon, alors pas du tout, on se calme. Hein. Le militant de base distribue les tracts, il colle les affiches. Ce qui est déjà un gros boulot. En tout cas, là, j'étais dedans. J'étais rentrée dedans. Oh là là, je peux vous dire que ça allait chier, quoi. J'avais des trucs à dire, ça allait pas se passer comme ça. Là, j'allais peut-être abattre le capitalisme. On allait voir ce qu'on allait voir. Oui, alors ça s'est pas passé comme ça. Non, c'est vachement protocolaire.
Non, mais c'est vrai. Alors moi, j'avais 25 ans. J'étais une fille, j'avais aucune expérience politique, à part devant ma télé quand même, j'étais plutôt bonne. Bon, sinon, je savais rien du tout, quoi, comment ça marchait, les stratégies. Alors quand j'ai adhéré en 2000 au Parti Socialiste, le premier secrétaire, c'était... Alors, le premier secrétaire en 2000 au Parti Socialiste... Oui, bravo, 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 c'était lui, il était là déjà, François Hollande. Il avait été élu au Congrès de Brest en 97. En le congrès, dans un parti, c'est le truc le plus important. Enfin, c'est la réunion la plus importante, c'est là où on décide c'est qui le chef et c'est quoi la ligne. Dans cet ordre-là, hein, parce que ce qui est important, c'est qui le chef. Et donc, au congrès de Brest en 97, François Hollande, des fois, pour présenter sa candidature, on écrit des lignes politiques auxquelles on donne des noms. Et lui, sa motion, donc, elle s'appelait « Réussir ensemble ». Pour moi, un truc comme ça, sûrement. Enfin, en tout cas, il avait été élu premier secrétaire du Parti Socialiste. Alors, François Hollande, lui, il n'est pas du tout marxiste. Il n'en a rien à foutre, hein, de marxiste, c'est pas son truc. François Hollande, lui, il est social-démocrate. Ouais, social-démocrate, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, social-démocrate, bon, alors, pour les sociodémocrates, le capitalisme, c'est bien. Voilà, c'est pas mal, c'est pas... Voilà, on s'en accommode. Bon, c'est vrai que ça peut créer, voilà, ça peut créer quelques petits problèmes sociaux. Bon, c'est vrai que ça peut créer de la misère. Mais justement, le social-démocrate, il est là pour apporter des correctifs sociaux aux problèmes créés par le capitalisme. Par exemple, bon, ça crée du chômage de masse. Et bien, on va créer le RMI et le RSA. Comme ça, les pénards, le chômage social, ok. Ou alors, t'as des problèmes pour régler tes factures d'électricité parce que les prix augmentent. On va créer un tarif pour les pauvres. Vous voyez, hein, c'est comme si dans un couple, alors qu'on sait très bien que ce sont encore les femmes qui, à 64%, effectuent les tâches ménagères, on nous disait, bon, madame, hein, pour la fête des mères, on va vous offrir des machines à laver. Oui, c'est sûr, c'est moins... Bien sûr, c'est... Mais on n'a pas réglé le problème. Correctifs sociaux. Donc, pour le social-démocrate, pour Lionel Jospin, l'économie de marché doit être au service de l'homme. Là, c'est toute la phrase qui est langue de bois, quoi. Non, mais c'est dingue. Alors, et celui qui l'a dit, avec le plus de perfidité, je dirais, c'est Pierre Mauroy. Vous connaissez Pierre Mauroy? Je l'ai rencontré une fois, Pierre Mauroy, j'étais comme ça. Moi. Et Pierre Mauroy, en 91, il écrit « Le Parti Socialiste peut être pleinement lui-même, c'est-à-dire social-démocrate. Nous l'étions depuis toujours, mais sous la forte pression d'un fort parti communiste, nous ne pouvions l'être complètement. » Oh, les salopards, quoi. Les mecs, ils siphonnent toutes les voix du PC, puis après, ils disent « Ah, mais c'est pas notre faute, hein. Nous, on aurait bien voulu être social-démocrate, mais on était obligés de... » Hein? Incroyable, 91, ils se réécrivent l'histoire tranquillement dans leur coin. En tout cas, c'est vrai que François Hollande, lui, il est social-démocrate, parce que quand il a adhéré au Parti Socialiste dans les années 80, avec ses copains, il avait créé un courant qui s'appelait le transcourant. Il voulait explorer les voies du réformisme. Il avait fait ça avec Ségolène Royal, Jean-Yves Juillet, Jean-Yves Le Drian et Max Gallo. On a perdu un grand écrivain. Et donc, au sein de son courant, là, il n'y a pas très longtemps, il y a un livre qui est sorti qui s'appelait « Le concert des puissants ». Et les deux journalistes exhument une petite note écrite par ce transcourant en 84, une note qui n'était pas du tout destinée à sortir hein, du Parti Socialiste, mais qui en dit long sur la vision social-démocrate de Hollande. Et donc, ça te dit ça. Ça s'appelle « La gauche bouge ». La déréglementation change de camp. La généralisation des pratiques concurrentielles devient une exigence pour la gauche, afin d'assurer une plus grande mobilité sociale. Les règles de l'économie libérale ne se divisent pas. La flexibilité ne saurait être cantonnée à la seule réglementation sociale. Peut-on affronter le XXIe siècle avec des structures et des méthodes qui datent parfois du XIXe siècle? L'archaïsme nous refond le coup que, allez, il faut être moderne, il faut s'adapter à son temps. 85. En fait, en 85, François Hollande,
Il est déjà plus social-démocrate, il est déjà social-libéral, quoi. Ça, on ne le dit pas, quoi. En tout cas, moi, dans la section PS où j'étais, oh ben, il n'y avait pas de courant, hein, il n'y avait pas tout ça, c'était une petite section. Hein. Ils disaient toujours, bon, ben, nous, on n'est pas à Paris ici, hein, tout le monde s'entend bien. Hein. Sur quoi, tu sais pas, mais le principal, c'est de bien s'entendre. Hein. On est tous d'accord. Alors, les réunions hein, dans ma section, alors c'est grand max 20 personnes, avec un, éventuellement un pic à la galette des rois, enfin, on disait à la galette républicaine, hein, parce qu'on était quand même laïque, tu vois. Bon, il y avait quand même une fête et une couronne, vous ne pouvez pas déconner. Hein. Enfin bref, 20 personnes. Alors sur les 20, il y a 7 élus qui sont là, parce que c'est quand même, c'est leur territoire, il n'y a pas de raison qu'ils ne se montrent pas. Hein. Il y a 3 membres du bureau, il y a 5 marxistes, dans le fond, qui sont là depuis les CFIO. Quoi. Et puis devant, il y a tous les nouveaux. Alors, bon, pour parler, hein, c'est pas l'anarchie du tout, hein, c'est assez réglementé. Ça se passe comme ça. Devant, bon, il y a des chaises un peu longues. Devant, il y a une estrade avec une table et des chaises. Et sur ces chaises, des hommes blancs de plus de 50 ans qui parlent. Bon. Alors, pour savoir de quoi on parle, pour nous, c'était facile. Parce que dans la ville, la gauche royale, elle avait gagné les élections. Du coup, ils nous racontaient ce qu'ils faisaient à la mairie. Oui, oui, moi. Ouais. Et je voulais savoir. Par rapport à l'usine de chaussures qui va fermer, est-ce que les élus et le parti de liste va défiler à côté des syndicats? Non, alors non, Corinne, attends. C'est pas aussi simple que ça, hein, c'est pas manichéen comme ça, noir ou blanc. Encore attention, c'est facile à dire quand on gère pas les affaires. Hein. Oui, c'était quand même ça qu'il s'agissait, quoi, de gérer les affaires. Le profil du militant PS, c'est un homme blanc. 40 ans, bac plus 3. Alors, des ouvriers, on n'a pas. Enfin, on voit, il n'y a plus beaucoup. Quoi. Alors, c'est pas vrai, il y en a eu en 2005, quand Ségolène Royal, elle avait fait les adhésions à 20 ou 25 euros. Oui, c'est pas con. C'est vrai que 1% de ton salaire annuel, ça peut freiner. C'est vrai. Alors, du coup, il y a des ouvriers qui sont venus. Ils étaient contents, les ouvriers. Oh, puis ils avaient des ouvriers. On allait entendre le bon sens ouvrier s'exprimer. C'était content. Bon, alors de là à leur donner des responsabilités, il fallait. Bon, ils ne sont pas restés très longtemps. Quoi. Comme je vous disais, un des ancêtres du PS, c'est la SFIO, créée en 1906, la section française de l'Internationale ouvrière. Ouais, alors du haut, il ne restait pas grand-chose. Pendant la campagne de 2012, il y a un think tank socialiste, think tank, qui est là, mais sur un mot anglais, c'est un truc qui méfiage, quoi. Donc, think tank, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement de gens vraiment trop intelligents pour nous, quoi. Des experts qui réfléchissent à nos problèmes. Alors, pas pour les résoudre, je vous rassure, mais pour savoir quels mots nous refourguer pour éviter de les penser. Par exemple, moi je suis complètement con. Je croyais que mon père, il avait été licencié. N'importe quoi. Mon père, il a bénéficié d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Voilà, quand même, ça va beaucoup mieux comme ça. Quoi. Il était beaucoup plus content. Et donc, les think tanks, ils ont été créés après la guerre et beaucoup employés dans les années 80 par Thatcher et Reagan. Et puis aujourd'hui, extrêmement employés. Et donc, au Parti socialiste, ils ont un think tank d'obédience strauss-kahnienne qui s'appelait Terra Nova. Et qui avait fait une petite note à François Hollande pour lui dire qu'il fallait abandonner l'électorat ouvrier au FN, parce que sinon, pour les récupérer, on allait devoir faire du protectionnisme et devoir avoir des plans sociaux dans les quartiers, quoi. Et c'était pas du tout prévu. D'ailleurs, François Hollande, quand il est allé à Florange, cette ville où il restait la dernière usine de sidérurgie, qui allait être démantelée par ArcelorMittal, il est allé hein, pour dire quand même qu'il les avait bien entendus. Hein. Il est reparti après en disant « on n'a plus besoin de l'électorat ouvrier pour gagner ben, ». Fallait nous le dire. Ouais. Dans les années 50, à la SFIO, pour avoir un poste, il fallait attendre 5 ans. Il fallait 5 ans d'ancienneté. Si pendant 5 ans, tu avais été vraiment sympa, tu avais tout bien écouté ce qu'on t'avait dit, tu avais pris des notes, répété comme on t'avait dit, tu pouvais légitimement demander un poste. Alors, c'est sûr que ça facilite légèrement la prime à l'ancienneté et la cooptation. Si tu es bien sympa, tu es recommandé. Quoi. Alors ça,
Par contre, repartir sa liste, ça n'existait plus du tout, du tout. Parce que par contre, tacitement... Et j'ai pu le remarquer en 2001, quand sont arrivées les élections municipales. Lionel Jospin, il est là. Alors il est là, on va l'enlever. Parce que moi, je le vois derrière mon dos, il m'angoisse. Tu dis n'importe quoi. Et Lionel Jospin, qui a été Premier ministre, vous vous souvenez, avec la gauche plurielle, son gouvernement avait fait une loi sur la parité en politique, qui disait que pour les élections municipales de 2001, tous les partis devraient présenter des listes paritaires, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, et dans ce sens-là, pas une femme, un homme, une femme, un homme, parce que c'est celui qui est tout en haut, qui a le poste le plus important, donc il ne faut pas leur faire déconner, quoi. Ils avaient appelé ça la loi Chabada. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en hommage à un film de Claude Lelouch qui s'appelle « Un homme, une femme », dont le générique faisait « Chabadabada, Chabadabada, Chabadabada ». Chabada encore, ça me fait plaisir, merci. Et donc, il avait appelé la loi Chabada. Alors moi, je m'étais dit, Claude Lelouch, hein, le gars là qui a épousé toutes ces comédiennes, les unes après les autres, qui leur a fait des enfants, c'est ça leur vision de la parité? Ça, je sais pas, ça commençait pas bien, quoi. En tout cas, panique à bord, quoi. On a pas de femme. On a pas de femme. Comment on va faire? Alors là, angoisse, hein. Coup de fil. Alors là, ils appellent leur copain. Eh, dis donc, elle fait quoi ta femme? T'as une femme? T'as une femme, toi? Elle fait quoi ta femme? Oui, alors, eh ben, elle voudrait pas, hein, parce que là, on a pas de femme, on a pas de femme. Moi, monsieur, moi? Oui, Corinne, on t'avait pas vu. Ben, moi, je veux bien. Ah, ben, si tu veux, si ça te fait plaisir. Donc, on a monté une liste gauche plurielle. Et on a gagné les élections. Wouh! Alors là, là j'étais dedans. Alors là, j'étais même à la gestion des affaires. Oh, je peux vous dire ça, les chiens. Là, on allait faire du socialisme. On allait appliquer le programme. Ils allaient voir ce qu'ils avaient voir. J'étais quand même aux affaires. Bon. C'est vrai que ça s'est pas passé comme ça. C'est vrai que c'est hyper protocolaire. Alors déjà, au bout d'un an, il y avait deux ou trois femmes qui étaient parties. Parce que potiche, c'est chiant. T'as d'autres trucs à faire dans ta vie, quoi. Et puis celle qui restait, alors, mais vraiment par hasard, hein, elle s'occupait plutôt de la petite enfance, des personnes âgées, du handicap, de la culture, ou comme moi, du tourisme. Mais alors vraiment un hasard, hein, si on n'avait pas l'économie, l'urbanisme, la voirie, les ressources humaines. Oh, ben c'était comme ça, une répartition naturelle, mais c'est pas vrai, ça. Ça me rappelle un peu. La métaphore que tu dises, Bourdieu, il faut parler de l'État, quoi. Il dit qu'il y a la main gauche et la main droite de l'État. La main gauche, c'est le social, c'est la culture. Et puis la main droite, c'est l'économique, le politique, tout ce qui est très sérieux, quand même. Puis des fois, la main droite, elle engueule la main gauche, quoi, parce qu'elle dépense n'importe comment, oh là là, elle ne se rend pas compte de la gestion des affaires. Alors qu'assez souvent, c'est quand même la main gauche qui organise les révolutions. En tout cas, c'est vrai que être une femme en politique, ça permet de mesurer l'avancée de nos droits, à nous les femmes. Ou en tout cas, de voir, de constater un certain retard, voire un recul. En tout cas, c'est vrai, ce qu'elle a eu de bien, c'est de pouvoir, sur la parité en 2001, c'est que ça s'est vu que c'était pas paritaire. Quand les portes des mairies se sont ouvertes en 2001, qu'on avait tous ces hommes blancs, plus de 50 ans, costard-cravate, ça faisait bizarre, quoi. Même eux, ils étaient un peu gênés quand même. Tu vois, tu penses plus. J'étais longtemps, mais ils se sont bien vus que c'était bizarre quand même. Après, je me suis quand même rendu compte que les postes clés étaient toujours détenus par les hommes. Maire, président de la communauté de communes, président du conseil général, président du pays, président. Ça, c'était toujours pour les hommes. Et puis surtout, il y avait tout un tas de mandats extrêmement centraux. Qui n'étaient pas soumis au suffrage universel. Ben, la côté de commune, le pays, des places dans des commissions d'attribution de marché, des places dans des commissions d'élargissement de zones industrielles ou de zones commerciales. Alors là, pas de suffrage universel. Et puis pas de parité. Allez, hop, cooptation et prime à l'ancienneté. Alors là, c'était reparti, quoi. Ça, c'est bizarre. Et du coup, ça me permet de faire un petit peu le point sur cette idée de la démocratie représentative, aidée d'un philosophe que j'aime bien, qui s'appelle Cornelius Castoriadis, qui aime bien
tout simplement nous rappeler la définition de la démocratie. Démos, le peuple, kratos, le pouvoir. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Point. C'est-à-dire que ce sont les gens qui vivent dans une cité qui vont décider des lois qui vont les régir. Et quand une loi n'est plus adaptée, il la change. L'État, c'est le peuple. Alors il ne dit pas que c'est la meilleure façon de régler la chose. Il dit que c'est ça, la démocratie. Nous, les modernes, on a inventé la démocratie représentative au XVIIIe siècle pour remplacer la monarchie. Alors en quoi ça consiste? Ça consiste en une auto-expropriation volontaire de son propre pouvoir pour la confier à quelqu'un qui va l'utiliser en son nom. Donc on nomme une espèce d'aristocratie élective qui dit « Je suis le peuple ». En fait, on est libre une fois tous les 5 ans quand on choisit celui à qui on va confier volontairement notre pouvoir. Même ce jour-là, franchement, est-ce qu'on est libre? Comment ça se passe, une élection? Il y a celui qui avait le pouvoir qui dit « Oh, moi, c'est vraiment super bien ce que j'ai fait, faudrait revoter pour moi encore. Okay. » Puis il y a d'autres qui disent « Oh non, n'importe quoi, ça m'était moi, moi j'aurais fait... » Mais on n'a pas parlé de démocratie représentative, vous ne devez pas nous représenter. À quel moment ils nous demandent ce sur quoi ils voudraient qu'ils travaillent en notre nom? À quel moment on est venu nous demander, et dis donc, vous en pensez quoi de l'intérêt général? C'est quoi le bien commun? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour notre vie, notre pays, notre cause générale? D'un an, ah ouais. Moi j'ai participé plusieurs fois à l'écriture de programmes politiques. Ça fait peur quand même. C'est-à-dire que chacun y va de sa petite lubie, son obsession, le truc qu'il avait bien envie de faire. Alors quand on ne sait pas, on appelle les communes d'à côté. C'est comme ça qu'on se retrouve tous avec les mêmes médiathèques, les mêmes piscines, les mêmes ronds-points, comme ça, on fait pareil. C'est super, ça a marché chez eux. Mais ils ne nous demandent jamais notre avis, quoi. Je dis ça parce que pendant les lois, les manifs sur la loi El Khomri, j'avais entendu Manuel Valls dire une phrase qui m'avait un petit peu choquée. Il avait dit « La démocratie, ce n'est pas la rue, c'est le vote. » Eh, t'as voté il y a 5 ans, hein. Si t'es pas content, reviens dans 5 ans, je te rappelle que c'est toi qui m'en as donné ton pouvoir, je fais ça moi en ton nom. Qu'est-ce que tu me demandes de plus? Alors vous avez vu Macron, il y a pas longtemps, il l'a réutilisé, mais lui il l'a raccourci. Il a dit, la démocratie, ce n'est pas la rue. C'est vrai qu'il était quand même mal placé pour dire que c'est le vote. Au vu de son pourcentage de gens qui ont vraiment voté pour lui, ça le fait des moyens de dire que la démocratie c'était le vote. Mais voilà, comme ça, ils utilisent ce mot en notre nom. Non, c'est sympa la démocratie représentative. L'oligarchie s'installe comme ça, tranquillement, ça fait pas de vagues. J'ai participé pendant 8 mois aux assemblées de Nuit Debout dans un petit village de Bretagne, un village de moins de 3000 habitants. Pendant 8 mois, tous les vendredis soirs, on était là, sur le parvis du parking, on amenait à manger et ça, c'était le sujet principal. La démocratie, qu'elle soit représentative ou directe. Comment on fait pour que ceux qui décident, décident en notre nom? Comment on fait pour décrire l'intérêt général? Est-ce qu'il faut tirer au sort des gens? Est-ce qu'il faut contrôler les élus? Est-ce qu'il faut arrêter de voter? Parce que si on arrête de voter, tout s'arrête, quoi. C'est de nous dont ça dépend, quoi. Alors, on s'est beaucoup engueulé sur ce sujet. Mais en tout cas, on se disait que cette démocratie représentative, elle nous fait vivre des cycles... Voilà, comme ça, un peu d'apathie, quand ça va, et tout à coup on se rend compte que qu'est-ce qu'ils font en notre nom, alors là on se réveille, et que c'est pas très confort, quoi, et que nous on aimerait mieux, participer tout le temps, avoir un regard, être citoyen, pas seulement électeur, voilà. Un autre truc dont on se rend compte en termes d'inégalité femmes-hommes, en politique, c'est sur la garde des enfants. Parce qu'avec toutes les réunions que tu as, c'est-à-dire que tu entendais quand même de temps en temps des femmes murmurer « ça ne va pas être possible parce que... » Et puis elles arrêtent parce que tu passes pour une victime et alors là, tu perds toute ta crédibilité. Par contre, tu n'entendais jamais les hommes dire oh, « je ne sais pas si c'est possible, écoute, je te redis demain, on en reparle. » Eux, ils étaient tout en dispo, je m'en l'année. Alors là, du coup, tu te rends compte qu'effectivement, pour être élu, il faut avoir du temps qu'on peut aménager à sa guise, quoi.
D'où l'absence, d'où surtout la grosse proportion de cadres, de fonctionnaires dans les élus, quoi, et l'absence d'ouvriers et d'employés. Du coup, se pose une autre question sur la représentativité. Est-ce que les gens qui nous représentent sont représentatifs de qui on est, de comment la société est composée? Là, pour les dernières élections législatives, là, en 2007, ils nous ont bassinés avec le renouveau. Oui, il y a du renouvellement grâce à la République en marche. Oh, les nouveaux députés qui m'arrivent, c'est le renouveau, c'est un renouvellement. Alors, attends. De quoi tu me parles quand tu dis une nouveauté? Une nouveauté de quoi? J'ai regardé la composition entre l'Assemblée sous Hollande et la dernière, c'est stricto sensus la même. C'est-à-dire qu'il y a à peu près en France 60% d'ouvriers et d'employés, et dans l'Assemblée nationale, ils sont 3%. On a à peu près 18% de cadres en France, et ils sont plutôt 80% à l'Assemblée nationale. Alors si, il y a une nouveauté. Si, grâce à la République en marche, une vraie nouveauté, c'est-à-dire qu'on a doublé le nombre de chefs d'entreprise. La fusion du politique et de l'économique, hein, c'est vachement, c'est chouette, quoi. C'est un winner, celui qu'on veut, qui monte son entreprise tout seul, on sait, mais mal. Ça a doublé, on a passé de 4% à 10%. Alors c'est vrai que les macronistes, ils nous ont donné 72% de nouveaux élus, mais c'est les mêmes, quoi. Juste qu'ils n'ont pas la même tête, quoi. Pourtant, c'est vrai qu'une élue, c'est pas un métier, mais moi, ça m'avait fait quand même. Enfin, je ne voyais pas comment on pouvait cumuler les deux. Quand j'ai commencé mon mandat d'élu, j'étais déléguée au tourisme, donc c'est rien du tout, quoi. Et j'étais au RMI. Mais moi, j'arrivais le matin à la mairie à 8h, j'avais plein de réunions, des trucs à lire, des rendez-vous, mais je m'en sortais pas, je partais, il était 22h. Je me dis, mais putain, mais comment ils font les autres? Non, parce que t'as tes propres réunions que t'organises pour toi, et puis t'as les réunions auxquelles t'es invité, hein, par la clé de commune, par le pays, par le conseil général, par le conseil régional, par l'État, par les associations, à la même heure, t'as 4 réunions. Moi, j'y arrivais pas, j'étais rien du tout, et j'avais du temps. Alors j'ai réfléchi, j'ai regardé comment ils faisaient, et j'ai trouvé. Le cumul des mandats! Ça, c'est super! Enfin, ce genre de problème. C'est-à-dire que quand tu es invité à une réunion par le conseiller général ou par le président de la communauté de communes, mais que c'est toi, ça va beaucoup plus vite pour décider de ce que tu vas faire pendant une réunion, quoi. Donc, ça t'évite de décider avec des gens avec lesquels tu n'es pas d'accord. Donc, c'est chiant. Enfin, la démocratie, c'est bien, mais ça, quand même, c'est limite. Hein. Deux, tu es jugé parti. C'est-à-dire que tu peux te féliciter toi-même de t'être obtenu des crédits pour ta ville. Oui, je remercie le président du conseil général, quoi. Moi-même, pour ces petites, ok. Trois, tu peux décider avec d'autres cumulards. Ouais, dans la même pièce, tu peux avoir le maire, le sénateur, pour la cause commune, dans la cause générale, ils sont trois. Hop, ils ont tout décidé, ils ont des comptes à rendre à eux. Ça va. Et puis là, ça résout la question du travail, parce que là, c'est sûr, c'est plus possible. Quoi. Ouais, c'est sympa, la démocratie représentative. Alors là, en 2017, c'est vrai que. Donne du boulot, Macron, quand même, il y a plein de nouveaux trucs. C'est vrai que le gouvernement Hollande, ils avaient fait une nouvelle loi sur le non-cumul des mandats pour les parlementaires, qui s'est appliquée là, en 2017, qui dit que les députés, pour l'instant les députés, l'année prochaine les sénateurs et dans 2 ans les députés européens, pas trop les bousculer non plus. Hein. Ils ne pourront pas cumuler donc leur mandat parlementaire avec un mandat d'exécutif local. Tu ne peux plus être député-maire. Tu peux toujours être. Maire, président de la communauté de communes, président de la cause générale, ça, tout le monde s'en fout. Hein. Par contre, tu ne peux plus cumuler ça. Alors, c'est super. Ouais, super, c'est bien. Hein. Mais alors, justement, je me suis demandé pourquoi ils l'avaient fait. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils s'en foutent, quoi. C'est qu'il y a quelque chose. S'ils ont lâché sur ça pour faire genre, voyez, on est quand même, nous aussi, on est pour la probité, l'honnêteté. Ça a vraiment lien avec cette idée que le politique est en train de fusionner avec l'économique. Avant, pour avoir du pouvoir, il fallait cumuler le pouvoir. Et le pouvoir, il était en politique, donc tu étais député, maire, etc. Maintenant, le pouvoir, il n'est plus là, quoi. Le pouvoir, il consiste à faire ce qu'ils appellent, dans un très très joli petit mot, le pantouflage. C'est-à-dire que tu peux être élu et continuer de faire comme boulot du conseil à des grands groupes privés pour lesquels tu vas forcément avoir... Alors, ils appellent ça du pantouflage.
Donc ça s'appelle plutôt du conflit d'intérêts, voire même, j'allais utiliser le bon mot, de la corruption. Mais ils appellent ça le pantouflage. Et effectivement, c'est ça qui est important. Quand on regarde la composition du nouveau gouvernement, on a déjà Macron, hein, qui arrive de Rothschild, tout le monde trouve ça génial. Ouais, il a été banquier, c'est super. Et ben, tu regardes la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui a été DRH chez Danone, qui a mis en place le Lean Management, attention, mot d'anglais, arnaque. Quand tu regardes Agnès Buzyn, qui est la ministre de la Santé, qui pendant 14 ans a été rémunérée par des laboratoires pharmaceutiques, et là, tout à coup, il voudrait bien passer le nombre de vaccins obligatoires de 3 à 11 ans. Je ne sais pas, tu as vraiment envie de dire, il y a un petit peu de corruption, ou c'est moi. Quand tu vois que cet été, à l'université du MEDEF, tu as 11 ministres qui sont allés participer. Avant, je vous jure, hein, il y a 20 ans, il y a un ministre qui y est, tout le monde aurait fait « Oh mon Dieu, c'est interdit, mais il y a corruption, il ne va pas… » Et là, aujourd'hui, tout le monde trouve que c'est bien parce que, ouais, c'est l'entrepreneuriat, c'est le self-management, c'est avoir les pieds sur terre, l'entreprise. On a vraiment basculé. Alors, en plus, cette fois sur le non-cumul des mandats, elle ne s'interroge pas sur le cumul dans le temps. Tu peux toujours être maire toute ta vie, quoi, hein. Ça, ce n'est pas un problème. Et ça pose un problème en termes de renouvellement des jeunes et des femmes. Parce que ça aussi, là, qu'est-ce qu'on a pu nous dire? Oh ben maintenant, ça va être là, c'est la parité à l'Assemblée nationale, il va y avoir la parité, c'est la parité à l'Assemblée. Bon, alors, de quoi tu me parles? Exact, on était à 26% au dernier législatif, là on est à 38%, on est encore quand même loin de la parité. Et puis il n'y a toujours pas de femmes présidentes, de femmes premières ministres, de femmes présidentes de groupes politiques à l'Assemblée, il n'y en a pas. Et puis surtout, il y a des sociologues qui ont regardé le temps de parole qui était réservé aux femmes à l'Assemblée nationale. Ouais, ça fait saigner les oreilles. Hein. C'est 3,5%. Ouais, c'est nouveau. J'espère. Et alors, comment ça se fait qu'il y ait 38% de femmes seulement à l'Assemblée nationale, alors que pour les législatives, tous les partis sont soumis à la même loi Chabada que pour les municipales, c'est-à-dire qu'ils doivent nationalement présenter autant d'hommes que de femmes. Donc quand normalement, au départ, tu as autant d'hommes que de femmes, il devrait à la fin y avoir peu ou prou autant d'hommes que de femmes, pas 12% d'écart, quoi. Il y a deux trucs. Bon, ben, tu choisis de pas présenter autant d'hommes que de femmes. Tu t'en fous, c'est pas ton truc. Et tu payes une amende. Alors c'est possible, il y a des partis qui payent des grosses, grosses amendes. Là, j'ai pas regardé, mais au dernier législatif, l'UMP payait encore plusieurs millions d'euros d'amende, parce qu'ils ne préféraient pas. Et puis sinon, il y a un autre truc qui consiste à utiliser une jolie forme stylistique qui est un oxymore. Ça consiste en l'égalité des chances. Alors, vous voyez, l'égalité des chances, ça peut... C'est bizarre, hein, c'est d'accoler deux mots qui n'ont rien à faire ensemble. Et normalement, c'est soit l'égalité, soit la chance. Alors là, c'est ça, c'est l'égalité au départ. Autant d'hommes que de femmes. Alors, il y a plein de partis qui ont présenté autant d'hommes que de femmes. Par contre, pas de chance, des femmes dans des circonscriptions pas gagnables. C'est bête. C'est pas de chance, hein, parce qu'il y a de l'égalité au départ, quoi. Ça, je l'ai vérifié, moi, au municipal, au législatif de 2004. La circonscription dans laquelle j'étais était détenue par une femme, UMP, qui était là depuis des siècles. Et en face, pour décider au sein de la gauche plurielle qui allait pouvoir présenter un candidat, ils ont réfléchi et ils ont dit que ce serait une femme socialiste. Oui, parce que vous croyez qu'il suffit d'avoir un programme pour être candidat, mais pas du tout. Là, c'était beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que d'abord, il faut se mettre d'accord entre partis. Après, au sein du parti, il faut se mettre d'accord entre courants. Après, il y a quand même le gars qui est élu sur le territoire qui a le droit quand même donner de son mot, parce que c'est quand même son territoire à lui. Ça dépend du résultat des précédentes élections législatives, il faut faire des projections, enfin, c'est très compliqué. Et donc, ça revenait à une femme socialiste. J'avais
j'avais envie de voir leur tête. C'est-à-dire que j'imaginais leur tête à eux en train de coller des affiches avec ma tête à moi. Mais sauf que ça m'a un peu échappé. C'est-à-dire que le lendemain, il y a des fuites au Parti Socialiste, il y avait un article dans le journal. Je vais tranquillement jeter mes clubs, et là, sera-t-elle candidate? Et ma tête, une vieille photo, j'étais là, non! Et puis surtout, c'est monté au sein du Bureau National des Partis Socialistes. Mais comment ils savent ça? Et un jour, je reçois un coup de fil d'un des bras droits d'un homme politique dont j'étais membre du courant. Un des bras droits d'un Hongbourg, et le gars m'appelle. Bon, alors, on t'avait pas vu, mais c'est bon, on t'a sur la carte, ok. Alors, bon, je te cache pas que c'est pas gagnable, hein, c'est pas un territoire favorable à la gauche, hein, tu le sais, hein. Bon, par contre, bonne nouvelle, on était vraiment, pour le coup, y aller et se planter royalement, parce que nous, on a pas tellement envie de la soutenir, hein, pas tellement envie. Donc, l'UMP est toujours là, j'en ai encore, hein. C'est quand même incroyable. Alors c'est sûr que la démocratie représentative, j'en avais un petit peu ma claque. Et je ne vous parle pas de la démocratie participative. Enfin si, je vous en parle. Vous savez notamment les fameux conseils de quartier. Décidé hein, en 2002 par Daniel Vaillant, un homme blanc de plus de 50 ans, qui était ministre de la ville de Lionel Jospin, qui avait décidé que pour les villes de plus de 80 000 habitants, elles devraient se doter d'un conseil de quartier. Oui, merci Daniel. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Si, pourquoi pas? On va demander l'avis aux gens. Ouais. Alors moi, le problème que j'ai avec ça, c'est sur le niveau de participation. De quel niveau on te parle? Est-ce qu'on est plutôt sur le niveau 1, information? Bonjour, la mairie est heureuse de vous informer qu'il y aura des travaux dans votre rue. Merci de vous garer en bilatéral. Ok. Est-ce qu'on est sur la consultation? Voilà, on a un projet, on voudrait bien avoir votre avis parce qu'on ne sait pas s'il va être adapté au quartier. Est-ce qu'on est sur la co-décision? Voilà, alors là, il y a un projet, il va falloir qu'on dessine ensemble comment on va le mettre en œuvre. Est-ce qu'on est sur la co-gestion? Ben, il y a des budgets, hein, il y a des budgets pour les quartiers, ben, allez-y, hein, à vous de vous mettre d'accord, de trouver des façons de faire démocratie, de définir le bien commun, c'est quoi l'intérêt général, et plancher. En général, on est quand même plutôt au niveau 0, c'est-à-dire communication, voire au niveau moins 1, manipulation. Par exemple, à Rennes, un tiers des projets des conseils de quartier étaient déjà sur la liste des projets de la mairie. Et oui, ils l'ont refourgué. Comme ça, il y a un petit label démocratie participative, c'est chouette, on est content. Puis voilà, démocratie participative. Hein, période hostile, on est où là? Alors, sortez vos cahiers. Bravo! Quelqu'un qui m'a fait perdre du tout, c'est un pléonasme. Effectivement, il me semblait que par essence, la démocratie, elle était participative. C'est un peu bizarre. En fait, ils ont tellement abîmé la démocratie qu'ils se sentent obligés de rajouter participative, tu vois. Non, on s'est bien foutu de votre gueule la dernière fois. C'est pas du tout participatif. Bon, par contre là, on déconne pas, on y va. Hein. On fait participer, quoi. Bizarre. Puis c'est bizarre de faire une loi sur la démocratie participative. Un trou d'en haut qui dit, allez participer. Mais c'est quoi cette injonction là? Je n'étais pas attendue pour faire ce que je veux. Hein, je parle à mes voisins quand je veux, j'organise des trucs. C'est quoi cette idée hein, de labelliser du quotidien? Bon, en plus ils seront récupérés ben, pour nous faire faire des petits travaux de végétalisation dans nos trucs. Hein, pour, comme ça un petit peu rendre le quartier plus chic. Nous on le fait comme des cons. Enfin surtout, aujourd'hui, la démocratie participative, ça sert surtout à faire valider les GP2I. Grand projet inutile et imposé. Bravo. Parce que souvent, ça aussi, hein, les acronymes, c'est un peu une façon de confisquer le pouvoir. Quoi. Tu sais pas ce que c'est, t'es pas dans la merde pour la conversation. Comment ça, il y a une GP2I? Ouais, c'est une pote. GP2I, grand projet inutile imposé. Effectivement. L'année dernière, j'ai trouvé dans la revue Silence, la revue écologique et pacifique, et pacifiste, une liste avec une carte de France des 100 projets inutiles en France. C'est hyper bizarre, quand on le, parce qu'on a tout ça dans notre coin, mais quand on le voit sur une carte, ça fait système.
Là, on se dit, ouais, c'est une façon de diriger le pays, quoi. Alors, bah, nous, c'est vrai, de là où j'habite, moi, à Rennes, on a vraiment de la chance, parce que nous, on en a un. On en a un grand projet étudiant, on n'en est pas plus fiers. Nous, on a Notre-Dame-des-Landes, on est bien contents avec ça. Alors, je crois que vous, vous en avez un aussi. Europa City. Voilà, c'est ça, j'ai regardé sur ma carte. Il est bien le vôtre aussi, c'est vrai que c'est sympa que toute votre gueule non plus, vraiment inutile. Alors, Notre-Dame-des-Landes, il y a 40 ans, au ministère des Transports, il y a un gars qui a réfléchi quand même, un expert, sur ce serait quoi les grandes infrastructures dans 40 ans. Les routes, les autoroutes, les aéroports, les gares. Tout ça, où est-ce qu'il faudrait les mettre, qu'est-ce que ça deviendrait, quoi. Puis il s'était dit, Grand Ouest, en plein milieu, on va coller un aéroport. Merci Michel, ok, sinon. Et voilà, ils sont partis sur cette idée-là. Ils avaient fait des projections en termes de nombre de passagers. Ils avaient imaginé qu'en 2050, il y aurait 8 millions de passagers à Notre-Dame-des-Landes. Alors là, à l'actuel aéroport, on est plutôt aux alentours de 5. Et puis les 156 autres aéroports de France sont saturés, quoi. On est quand même loin de la demande qu'ils avaient imaginée, quoi. Mais ça, c'est surtout... c'est apparu à partir de deux mots assez chers au capitalisme, hein, cette idée de nous mettre des moyens de transport partout, qui sont modernité et mobilité. Si t'es moderne, t'es mobile. Si t'es mobile, t'es moderne. Non, mais c'est vrai, maintenant, on te dit... alors voilà, tu vas habiter ici, tu pourras travailler là-bas en prenant le LGV, je sais pas quoi, tu partiras en vacances à l'autre bout du monde, tes enfants, ils feront leurs études à l'étranger, et puis tu iras faire de l'humanitaire à l'autre bout du monde. Mais quoi, ce truc? Enfin, moi, ce que j'adore, c'est aller à pied, emmener ma fille à la crèche, passer devant le bureau de l'asso pour dire à Gérard, hey, je passerai pour le compte-rendu de la réunion. Je sais pas, c'est dire bonjour à mon voisin, le connaître, et du coup, mon voisin, si un jour il me dit... ouais, là, quand même, ils vont peut-être faire une autoroute sur mon terrain. Ben, je me sens méga concernée, quoi. Je le connais, mon voisin. Là, aujourd'hui, on vit vachement dans des zones pavillonnaires, des zones artisanales, des zones commerciales, des zones touristiques, tout est zoné, ou des espaces de bien-être, de loisirs, de détente. En fait, on ne se croise plus. Surtout, on ne croise plus la classe dominante, quoi. Parce que si on voit où ils habitent, on meurt, quoi. Il y a une insurrection, il se passe quelque chose, quoi. Et donc ça sert à ça, quoi, d'être moderne, d'être mobile, bah, t'es plus du tout concerné, quoi, par ce qui se passe chez toi, puisque tu y dors, quoi. Ouais. Alors bah, du coup, à Notre-Dame-des-Landes, ils ont dit, allez, on va faire un petit référendum, parce qu'on en a marre de cette histoire, on va trancher. Hein. Alors en fait, c'était pas vraiment un référendum. Ils ont essayé d'utiliser le mot, mais quand même, on leur a dit, il y a un but de langage. C'était une consultation. C'est-à-dire que ça ne valait que pour avis, quoi, ça ne faisait pas loin. Et là, on s'est bien rendu compte du déséquilibre, quand même, de niveau d'information, en termes de propagande, quoi. Pas les mêmes moyens, pas les mêmes infos, c'est pas le mot qui avait décidé du périmètre de vote. C'est un périmètre sur lequel ils avaient déjà fait des études qui disaient que les gens ils étaient plutôt favorables. Et donc, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on participe. Au jeu, organisé avec des règles qu'on n'a pas décidées, en essayant de convaincre les gens. On n'y va pas du tout, parce que de toute façon, c'est perdu, quoi. On continue sur ce qu'on a à faire. Là, Macron, avec son ministre, ils ont mandaté trois représentants, trois experts, qui vont là écouter les deux parties prenantes. Non, mais ça fait juste 40 ans hein, qu'on les connaît, les arguments, on va recommencer à zéro. Ils font croire qu'il y a une consultation, une concertation, alors qu'au final, on sait très bien que c'est une décision politique quoi, qui va tomber. Quoi. Alors moi, j'ai participé une fois quand même à un exercice de démocratie participative où la propagande d'État n'a pas marché. C'était le 29 mai 2005 pour le vote sur le traité constitutionnel européen. Le TCE. Ouais. Alors, on devait dire si oui ou non, on voulait bien que la France ratifie le fameux traité instituant une constitution pour l'Europe. Alors là, ça commençait bien, parce qu'ils nous l'avaient envoyé par la poste, pour qu'on puisse la lire. Sympa. Hein, hop, information, très bien. Accompagné d'une petite lettre de 12 pages, je ne sais pas si vous vous souvenez, écrite par le gouvernement dans laquelle il nous disait pourquoi il fallait voter oui. Français, pas bien quand même.
Alors, en fait, de quoi ça parlait, ce traité constitutionnel? Ben, c'était surtout l'expression qui est restée un peu dans nos esprits, c'était la concurrence libre et non faussée, l'ouverture des services publics à la marchandisation, la transformation des services publics en services d'intérêt économique général. Il fallait laisser faire la main invisible du marché qui allait s'autoréguler et qui allait nous permettre à nous, consommateurs, de bénéficier de baisses incroyables sur les produits. Par contre, à nous, citoyens, de vivre dans des conditions de merde. Bon, en fait, c'était ça qu'il fallait décider, quoi. Et François Hollande, au Parti Socialiste, lui, il était super favorable au TCE. Parce que, au Parti Socialiste, nous, on est pour l'Europe. Parce que l'Europe, c'est la paix. L'Europe, c'est vivre ensemble. L'Europe, c'est construire une autre société. Enfin, c'est ça qu'il répète. Hein. Et donc, il avait décidé de faire un vote en interne pour vérifier que tout le monde était bien d'accord, quoi. 58% de oui au sein du Parti Socialiste. Ah merde. Moi, j'étais pas tellement d'accord, quoi. Mais c'est vrai que ça oblige un peu les 42% à suivre la ligne, quoi. Ils votent, quoi. Là, on a vraiment la racine latine de militant qui nous revient en tête, quoi. Le militaré, le soldat, militant, militaire, quoi. Alors moi, j'appartenais à un courant qui avait été créé en 2003, qui s'était basé sur l'idée de la Sixième République, de repenser l'intérêt général, les moyens de décider de comment on désigne des élus. Et au sein de ce courant, nous, on n'était pas du tout d'accord. On l'avait lu ensemble. Et ce courant, alors, c'est souvent une façon qui nous permet de s'écarter de la ligne, hein, les courants. Vous savez, souvent, ils portent le nom d'hommes blancs, plus de 50 ans. Les Strauss-Kahniens, les Chopinistes, les Hollandais, oui. Et les Hamonistes, maintenant. Et nous, notre courant, il s'appelait le NPS, le Nouveau Parti Socialiste. L'ancien, c'était pas bien du tout. Il avait été créé par trois hommes blancs, de plus de 40 ans, ceux-là, à l'époque, Vincent Pillon, Benoît Hamon et Arnaud Montebourg. Eh les gars, 10 ans après, on les retrouve aux primaires, tranquillou. Enfin bref, on l'avait lu, on n'était pas du tout d'accord, quoi. Donc en tant qu'élu, on a commencé à dire non. Moi, quand on me demandait mon avis, parfois, mon ami, eh ben, je disais que j'allais voter non, quoi. Oh là là, alors là, rappel à l'ordre. Oui, je vous rappelle qu'il y a eu un vote, que vous êtes censé respecter la parole du parti. Imaginez, si nous on faisait pareil alors que ça avait été non. Ok, alors on n'était pas invité aux réunions, quand il y avait des réunions pour le TCE. Enfin, on était invité, mais on ne pouvait pas venir, on était dans le fond. On n'avait pas accès aux listes des militants, si on voulait envoyer de l'info. C'était des trucs de gosse, quoi. Sauf qu'on ne savait pas trop comment faire, quoi. Et puis il y a eu le PC, le NPA et ATTAC, qui eux ont commencé à dire non. Alors là, pour moi, c'était bouffé d'énergie, quoi. Je pouvais enfin, hop, m'agglomérer à eux et dire « Oui, moi aussi, je suis d'accord, comme eux, on a fait des collectifs. » Et là, a commencé une campagne incroyable, quoi. Campagne d'information. On faisait des réunions dans des tout petits villages, mais les gens, ils venaient avec leur constitution, ils soulignaient des trucs, il y avait des arguments béton pour et contre. Hein. Mais en tout cas, on s'est parlé, on a parlé politique, les gens s'engueulaient, c'était incroyable pour un truc d'Europe, mais les gens avaient bien compris que quelque chose se jouait à la transformation de comment on allait vivre ensemble après, quoi. Incroyable, quoi. Et puis, bah, le résultat arrive, quoi. 54,5% de non. Wouh ! Oh putain ! Ah oui, j'étais complètement dingue, quoi. Le lendemain, les Pays-Bas votent non à 61%. Oh là 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 là. Nous, on se disait, on va faire tomber l'Europe, on va faire tomber le gouvernement, on va faire tomber le PS, on renouvelle l'international de Rivière, on n'en a rien à foutre, on va tout péter. C'était le gros soir, les classes moyennes et les classes populaires avaient voté non. On avait bien compris que c'était nous qui allions le payer, quoi. Et puis, ils se sont dit qu'on n'avait pas bien compris la question. Ou alors, qu'on avait profité pour répondre à une autre question que celle-là. Et donc, ils ont dit que ça comptait pas. Et en 2007, ils ont écrit le traité de Lisbonne, qui est le même, où là, on n'a pas voté. Fallait pas déconner, il y a eu chaud comme ça. À la vache. En tout cas, moi, bah, militer, ça m'avait vraiment permis de m'émanciper, quoi. J'avais appris à dire non. Réfléchir par moi-même, ça, je m'étais extraite de la ligne et je trouvais ça génial, quoi. Mon avis comptait. J'avais le droit d'avoir un avis, de le partager, d'avoir des arguments. Ça m'avait vraiment
fait super du bien, le militantisme. Alors par contre, après ça, au PS, c'était chaud, quoi. On ne pouvait plus s'acquitter. En 2005, congrès du Mans, pour les gens qui ont été socialistes, je sais qu'il n'y en a pas. Partout où je vais, il y a des gens qui disent « Ah non, jamais voté PS, jamais été socialiste. » Bon alors moi, quand je suis allée au congrès du Mans, c'était horrible. On se détestait tous, on ne voulait plus se parler. Et puis là, il y a eu deux stratégies qui se sont mises en place au sein de mon courant. Parce que François Hollande, qui était toujours le premier secrétaire, il voulait faire la synthèse, hein, vous vous souvenez, le transcourant, le réformisme, tout ça, il m'a dit, etc. Et donc, au sein de mon courant, il y a des gens qui ont dit « Bah ouais, mais quand même, le nom l'a emporté, vous voyez, on a montré à la ligne qu'il fallait reconquérir les classes populaires, c'était par ça qu'il fallait commencer, on a fait pression sur la ligne, donc il faut encore aller plus à l'intérieur, accepter la synthèse, et de dedans, on changera encore plus les choses. » Ça, c'est Benoît Hamon, il a 100 pays, on fait ça. Et puis, il y a eu un autre clan auquel j'ai appartenu, qui est celui d'Arnaud Montebourg, qui a dit « Non, mais là, c'est plus possible. » On a, effectivement, un peu fait pression sur la ligne, pas non plus exagéré, quoi. Mais il faut rester là, quoi. Au contraire, c'est de l'extérieur qu'on arrive à faire pression. C'est parce qu'on est resté groupé. Alors, on a monté un autre courant. Voilà, c'est simple. On a monté un autre courant qui s'appelait « Rénover maintenant ». Et moi, j'étais hyper contente. Je me disais, bon, ok, position déséquilibriste. Hein, je suis comme ça, quoi, sur le parti. Je suis dedans, mais pas trop. Je fais pression, mais pas trop. C'est pas confort. Mais je me trouvais, ça correspondait, quoi. Mon père, il m'avait dit dedans. En même temps, j'étais capable de dire non. J'avais trouvé ma place, là, au milieu, comme ça, à peu près. Et puis un jour, j'entends à la radio que Arnaud Montebourg, il devient porte-parole de la campagne de Ségolène Royal. Hein? J'étais comme ça dans ma bagnole. Hein? Mais, hein? Oui, t'es pas bien, tu te dis, mais Ségolène Royal, François Hollande, Transparent, Synthèse, Réformiste, Social-Démocrate, Social-Libéral. Mais, et par contre, sinon, à quel moment on nous a demandé notre avis? Ah oui, en fait, il lui avait dit, hey, on est nombreux, si tu me prends, je viens avec mes troupes et on va t'en distribuer du tract. En gros, c'est ça, hein, je caricature pas trop. Incroyable, bah oui, j'étais vraiment un peu dans le con, quoi. J'étais un peu idiot utile, quoi. On lui a servi à lui de marchepied. Il n'est pas les travaux non plus, hein, mais... En tout cas, ce qui était complètement dingue, c'est que moi, j'étais toujours au Parti Socialiste. Je restais. Ils me détestaient tous, ils me détestaient, et j'étais là. Je ne comprenais pas pourquoi je restais, quoi. Et après, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, en fait, je suis atteinte du syndrome Gérard Filoche. Gérard Filoche, hein, c'est un syndicaliste qui est membre du Parti Socialiste depuis 40 ans, qui n'a jamais eu de mandat, qui n'est jamais d'accord. Ah, pas du tout. Mais il reste. Mais il reste pour la même raison que moi je me disais à l'époque, c'est que, nous on est socialistes, hein, c'est à vous de dégager, nous on garde le truc, on est socialistes, ok, allez, tu sors. En fait, on était juste inutiles, quoi. Donc, ils n'arrêtaient pas de dire, voyez, on est quand même vachement démocrate, on laisse les gens s'exprimer, ils nous chient dessus toute la journée. Mais merde! Putain, c'est comme les frondeurs, tu vois, ils sont pas contents, ils s'agitent vachement, et puis ils votent pas la motion de censure. On ne fera pas se tenir, quoi. Le parti qui était censé être un outil de représentation du peuple est devenu un outil de désignation de candidats, quoi. Un outil de contrôle du peuple. Alors j'ai regardé les derniers chiffres lors du congrès, le dernier congrès du PS, là, en 2015, à Poitiers. Ils étaient 70 000 à voter. Sur les 60, donc à jour de leur cotisation, hein, sur les 70 000, on peut vraiment enlever 30 000 ou d'élus, ou de gens qui ont un mandat au sein du PS, donc qui sont extrêmement liés au parti, donc pas tellement capables de dire non, quoi. Qui reste 40 000. Quoi. Ils sont 40 000 à nous saouler là, depuis des années. Alors, on ne sait pas combien ils seront là bientôt parce que, comme fait une super campagne, on le saura en janvier 2018. Il va y avoir un nouveau congrès. On verra qui va payer sa cotise pour aller voter. En tout cas, bon, Benoît Hamon, il n'y est plus. Il n'est pas con quand même. Il a 15 millions pour sa campagne, 6,5% de vote et il se casse deux mois après. Mais tu voulais pas le dire avant, comme ça on aurait fait autre chose avec tes 6,5%. Calme. Enfin, en tout cas, on dit souvent que le quinquennat de François Hollande, il a servi à rien du tout. Mais moi, je suis pas d'accord. Il est quand même vachement utile, son quinquennat.
Bravo. Non, Steph. En tout cas, en attendant, j'ai vu qu'ils se cherchaient, les gars. Ils se cherchent un nouveau nom. Il a dit quoi, Stéphane Folle? Oh, on pense à s'appeler les socialistes. C'était vraiment la peine de réfléchir. Mais en tout cas, Stéphane Folle, il a dit l'autre jour, oui, nous sommes désormais dans une opposition raisonnable. Maintenant qu'on les connaît, voilà, le c'est bon, quoi. Donc, regarde, il n'est pas tellement pour une alternative, il est plutôt pour une alternance. Il attend de revenir au pouvoir, quoi. Bon, en tout cas, moi, j'ai fini quand même par quitter le PS. Ouf. Merci. En 2008, alors comme beaucoup de monde, on est parti en 2008. Et puis bah, la suite, bah, après l'entracte. On va aller boire des coups, on peut partir si on veut, on peut aller téléphoner avec quelqu'un pour dire « Ouais, c'est hyper bien, viens !» Bon, comment? Un petit quart d'heure? Ouais, voilà.
Bon, alors en fait, j'étais en plein jeune. L'emploi jeune, c'est un métier. Hein. Bonjour, je vous présente Corinne, notre nouvelle emploi jeune. Oui, et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, ben, je sais pas, elle est emploi jeune. Ok. Alors, ça marche aussi avec CAE, CUI, contrat d'avenir, c'est pareil, hein, c'est des métiers, tout ça. Enfin, je déconne, c'est pas un métier, en fait. C'est surtout un salaire, quoi. J'étais donc au SMIC, dans cette collectivité territoriale. Et puis après mon contrat d'emploi jeune, j'ai eu un contrat de 2 ans, puis encore un autre 2 ans. Oh, c'était super, on était à fond, on avait plein de projets, une ambiance géniale. J'avais remarqué que la méthode de management qui était utilisée, moi j'ai appelé ça la méthode de la porte ouverte. Mon directeur. Bon, alors ici, hein, pas de hiérarchie. On est une grande famille, hein. Alors là, si vous avez un problème, n'hésitez pas à pousser ma porte, elle est toujours grande ouverte. Le retour du paternalisme, la gestion en bon père de famille, hein, de cette collectivité, des deniers de l'État. Ouais, j'avais surtout remarqué que c'était une bonne façon de casser le collectif, quoi. Mais, c'est pas un souci, franchement, viens me le voir, on en parle. Hein. Pas peine d'en causer avec tes collègues. On s'arrange. Moi, en tant qu'emploi jeune, je m'étais bien rendu compte que je faisais le même métier que les autres, mais pas payé tout à fait de la même façon, pas avec les mêmes droits. Moi, j'avais un contrat de droit privé, quand avec un contrat de droit public. Et ça, quand même, ça m'interrogeait, quoi, sur cette égalité, ces inégalités, alors que je faisais le même travail. Quoi. Et puis, bah, c'est sûr que quand je me suis syndiquée, ça aurait été assez logique que je fasse. Comme mon père, que je me syndique à la CFDT. Oui, 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 on est d'accord avec tout. J'aurais pu. Non, j'avais plutôt choisi la CGT. Non, 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 on n'est pas d'accord. Alors ça, c'est une blague de syndicaliste. Ça ne fait rire que les syndicalistes. Ça me permet surtout de mesurer dans la salle le taux de syndicalisation. Vous me décevez, les enfants. Oh les coups! Quand on les croise, on est là! Bon, bon bah, d'accord, on en reparlera du taux de syndicalisation. Ouais. Alors pourquoi je ne me suis pas syndiquée à la CFDT? Parce que c'est vrai que là on se marre, la CFDT qui accepte tout, mais mon père, dans les années 70, quand il était à CFDT, ça rigolait pas quand même, hein. La CFDT, ils étaient marxistes! Il prenait l'autogestion comme modèle de remplacement du capitalisme. Ça rigolait pas, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ils se sont bifurqués? En fait, il faut savoir que les syndicats, avant, ils avaient une vision globale de la société. Ils n'étaient pas concentrés que sur le travail. Et puis, dans les années 70, les partis ont pris de l'ampleur et ont un peu monopolisé la question de la réflexion sur la société. Et donc, les syndicats se sont parfois rapprochés de partis politiques. C'est le cas de la CFDT qui s'est rapprochée du PSU, qui était dirigée à l'époque par Michel Rocard, monsieur qui n'était pas bien, je crois, disais, et qui était le Parti Socialiste Unifié. Voilà. Et donc, voilà, il se rapproche. 1973, création du programme commun. Le PS et le PC coécrivent le programme commun, tout un tas de mesures anticapitalistes qui étaient dévouées à les faire accéder au pouvoir. Il faut savoir qu'au sortir de la guerre, le PC, il est à 30%, c'est un des premiers partis de gauche. Le PS n'existe pas, quoi. Premier congrès du PS, 71, congrès d'Épinay, François Mitterrand s'empare de la direction du Parti Socialiste, il n'avait encore pas sa carte au PS, première OPA politique pour lui. Et donc le PS, ils n'existaient pas encore vraiment, quoi. Ils avaient besoin de trouver leur électorat. Et donc avec l'écriture de ce programme commun, ça permet au PS de se faire connaître, c'est un peu un marche-pied, quoi. Et ça marche. Élection municipale de 77, ben, le PS commence à s'emparer de quelques villes qui deviennent socialistes. Et là, quand même, au PC, Georges Marchais va se dire, là, il est en tourloupe quand même. Et donc, il va tenter d'accélérer le programme, en tout cas d'aller plus loin dans le programme commun, plus loin sur les nationalisations d'entreprises, plus loin sur la place des syndicats dans les entreprises, la représentativité syndicale. Puis la PS, qui trouve que ça va, c'est bien, hein, bah dit non. Là, Georges Marchais, il n'est pas content du tout. Hein. Il rentre de vacances avec sa femme et il met fin au programme commun. Terminé.
Et puis, ben, après, chacun fait marche commune de son côté. Et effectivement, aux législatives de 78, ben, le PS commence à faire jeu égal avec le PC, quoi. Et la CFDT, qui au milieu de tout ça, franchement, c'est pas son truc. Donc, elle décide de se recentrer sur la syndicalisation et notamment sur le terrain. Et elle décide de prendre son autonomie sans pour autant réfléchir à la question globale du politique et de la place de la CFDT. Et donc elle se dit prête à défendre une loi quand elle va en faveur de l'emploi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, par exemple, est-ce que c'est OK si pour sauver 50 emplois, il faut en sacrifier 30? Est-ce que pour sauver des emplois, est-ce que de revenir sur des baisses de salaire, sur des augmentations de temps de travail, est-ce que c'est OK? Qu'est-ce que ça dit en termes de société, quoi, en termes de politique générale, quoi? Et comme ça, la CFDT sera plutôt pour la rigueur, soutiendra la loi Juppé de 95 sur l'allongement de la durée de cotisation pour les retraites, soutiendra la loi El Khomri et puis là, et co-écrira la loi Travail et succès. En tout cas, moi j'avais choisi la CGT. Parce que je trouvais qu'à la CGT, il y avait vraiment une défense des métiers, de la formation tout au long de la vie, de la représentativité syndicale. Leur vision keynésienne de l'emploi me convenait plutôt. Et puis, l'occasion de me syndiquer est arrivée quand, dans la collectivité territoriale, on a atteint l'équivalent de 50 emplois temps plein. À ce moment-là, la collectivité est alors l'obligation de créer un CTP. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un CTP? C'est un comité technique paritaire. C'est une instance de représentation du personnel dans laquelle siègent à part égale des représentants du personnel, désignés par le vote par leurs collègues, et des représentants de la direction, auto-désignés par eux-mêmes. Et alors, à quoi ça sert le CTP? Là, ça sert à réfléchir sur le fonctionnement des services, sur l'organisation des services, sur la formation professionnelle. Donc, c'est quand même un enjeu de lutte, d'acquis sociaux et d'organisation du travail, quoi. Et donc, quand on a eu atteint l'équivalent de 50 emplois temps plein, la direction a fait paraître une note en disant qu'ils étaient obligés de créer un CTP, qu'il allait y avoir des élections de représentation du personnel et que si des salariés voulaient monter une liste, syndicale ou pas, ils en avaient tout à fait le droit, quoi. Oh, je me suis dit, voilà cela. Là, quand même, alors j'ai trouvé un gars, une fille, et tous les trois, on s'est syndiqués à la CGT, et on a monté une liste. Là, quand même, on était plusieurs, là, quand même, ça était super, ça allait être collectif, quoi. Alors, avant que l'élection syndicale, l'élection de représentation arrive, il y a quand même tout un temps d'information. Et là, on a pris 2 mois avec nos 2 collègues pour faire le tour de tous nos collègues. On était 80 quand même salariés. Il y avait des bibliothèques, il y avait des déchetteries, il y avait la voirie, l'école de musique, des gens qu'on n'avait jamais vus, quoi, on ne se connaissait pas. Et on a fait le tour de tout le monde pour leur dire « Ça y est, va y avoir un CTP, quoi, on va pouvoir lutter pour nos acquis sociaux. Faut qu'on s'organise collectivement, c'est bien mieux, quoi. Paternalisme, c'est nul, quoi. Hey, dis donc, nous, on est la CGT, hein, c'est super, c'est pas la CFDT, ça n'a rien à voir, quoi. » Parce qu'en fait, ils me disaient, partaient de loin, ils disaient, c'est quoi là ton parti? Alors on reprend, alors syndicat, CGT. Donc on a fait un gros boulot d'information sur les temps d'information syndicale pour leur expliquer que vous ne pouvez plus le faire tout seul, quoi. Et puis, arrive le jour de l'élection. Donc c'est une élection, quand vous allez voter, hein. Chaque salarié a le droit, sur son temps de travail, de venir voter. Donc il y a un mur, un isoloir et un bureau de vote qui est tenu à parité par un représentant du personnel et un représentant de la direction. Et ce jour-là, c'est moi qui tenais le bureau de vote. Et arrive donc l'élu qui allait le tenir avec moi. Un homme blanc de plus de 50 ans, maire, vice-président de la tête commune, conseiller général, médecin. La base. Tranquille pour rester entre nous, quoi. Le gars arrive dans la salle, quoi. Et il s'empare de la liste avec les noms. Il ne savait pas qui était candidat. Bon, vous, on savait. Non, Nicolas Morin, il est communiste. J'ai changé de nom quand même. Il est communiste. Hyper fort. Alors, déjà, ça veut dire parce que
les portes de nos collègues étaient ouvertes, donc c'est vraiment une façon de montrer sa réprobation, quoi. Hein, paternalisme, je donne mon avis, attention. Et puis communisme, on avait passé 2 mois à leur dire qu'on n'était pas un parti, quoi. Lui, il était encore à CGT, 3-36 PC. On sait très bien, quoi. Grosse ambiance dans le bureau de vote. Donc tout le monde va bien voter, quoi. Et puis, à la fin de la journée, on dépouille, quoi. On a gagné. Bon, alors on était la seule liste. Oui, je vous vois venir. Évidemment, c'est vrai qu'on avait de grandes chances de gagner. Par contre, là, on était vraiment hyper contents. C'était sur le taux de participation. 80% des salariés étaient venus voter. Là, c'est là qu'on voit quand il y a des syndiqués. En général, le taux de participation, quand t'as 50, t'es méga content. Quoi. Là, 80%, c'est ça y est, quoi. Ils ont compris, on va faire collectif. Enfin, on va avancer, quoi. Et puis, normalement, il y a la confirmation des résultats, comme pour des vraies élections. Donc, là, c'est le président de la communauté de communes qui prend quand même les résultats officiellement. Un homme blanc, 50 ans, maire, conseiller général, président de la communauté de communes et assureur. Une autre bonne base, quand même. Et donc, vous avez donc gagné cette élection. Bravo. Si je puis me permettre, c'est un peu une élection à la Soviète suprême, ton truc. Ah bon? Ouais, ou comme Chirac en 2002. Ça a mis une moyenne bonne ambiance entre nous, quoi. En tout cas, ça a un peu auguré de la suite de nos relations, quoi. En tout cas, on était dedans. Alors là, je peux vous dire que ça allait changer, puis on était 3. Oh là 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 là, je peux vous dire que là, les acquis sociaux, Jean Moulin, accroche-toi, quoi. Il allait se passer des trucs, quoi. On était à bloc, quoi. Bon, alors ça s'est pas passé comme ça, c'est vachement protocolaire, hein, quand même. Oh là là. En tout cas, la démocratie sociale était en route. Démocratie sociale qui se fout de notre gueule avec les mots, quand même. Bon, déjà, outre que là, on a déjà vu un pléonasme. Une démocratie sociale, quand vous parlez des relations au CTP. Il y a quand même une légère usurpation historique du mot. Démocratie sociale, en fait, c'est quand les syndicats dirigent entièrement une institution. Par exemple, quand au sortir de la guerre, en 1945, le Conseil national de la Résistance et Ambroise Croizat ont créé la sécurité sociale, elle était dirigée par les syndicats. 3/4 syndicats, 1/4 patronat. Ça, c'est la démocratie sociale. Ou alors, pendant la Commune de Paris, en 1871, quand le peuple parisien se soulève pendant 2 mois, ils mettent en place la démocratie sociale. Pas le CPP. On se calme. En tout cas, on flippait, en fait. On flippait vachement. On n'était pas du tout habitués, c'était la première réunion. Je me souviens qu'avant, dans le couloir, on était là. Bon, allez, on n'a pas peur, on y croit, on allait voir les collègues pour savoir de quoi ils voulaient qu'on parle. On parle en leur nom, on lâche rien, on n'a pas ce qu'on a à dire. Non, parce qu'en face, quand même, que des hommes blancs, plus de 50 ans, habitués à te retourner le cerveau en 2 secondes. Là, on se serrait les coudes, quoi. Puis on est arrivé dans la grande salle de la petite commune, et il fallait parler au micro. Concernant les... Ça fait peur quand même. On n'en menait pas large, quoi. Alors, pour savoir de quoi on allait parler, là, dans un CTP, il y a une règle. Pour l'heure du jour, il est rempli à part égale par les deux représentants, quoi, les salariés et la direction. Inscrit à l'heure du jour par les salariés. L'organisation des services en surchauffe, les heures supplémentaires, les tickets à restaurant. Inscrit à l'heure du jour par la direction. Le repas de fin d'année, l'arbre de Noël et la validation du règlement intérieur. Hein? Ah oui, j'avais oublié un truc. On n'était pas là pour la même chose. Nous, on était là pour la lutte des classes, quoi, pour les acquis sociaux, pour obtenir de nouveaux droits. Eux, ils étaient là parce qu'ils n'avaient pas le choix, en fait. D'ailleurs, ils nous l'avaient dit. Hein, et ils m'avaient dit... Ça va durer combien de temps, ton truc? Alors, si vous dites oui à tout, dans 5 minutes, on est là. Ça peut aller très vite, hein, ça. Ça dure un peu plus longtemps que ça,
sujet? Non. 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 Merde. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous, on s'était dit, bon, alors il faut qu'on augmente le degré de rapport de force, quoi. Peut-être qu'on pourrait, je sais pas, faire une pétition, débrayer, faire une grève, aller prendre la parole lors du conseil communautaire, je sais pas, moi, prendre en otage le directeur, lui arracher sa chemise, un truc de ouf. Mais ça, il savait très bien qu'on le ferait pas, quoi. Tout le monde flippait, le paternalisme, tu vas pas... Déjà, tu avais voté pour la CGT, les communistes, fallait pas non plus... ouais. Et puis j'avais oublié un autre truc, c'est que le CTP, c'est comme pour Notre-Dame-des-Landes, c'est consultatif. À la fin, c'est eux qui décident. Donc ils ont dit non. Alors bah nous, on s'est épuisé un petit peu, quoi. On ne savait plus quoi dire à nos collègues, bah, ils ont dit non. Bah alors, qu'est-ce que vous faites? Bah oui, ils ont dit non. Ils ont dit non, quoi. Et puis surtout, ils aimaient bien, pendant les réunions du CTP, à nous rappeler qu'on était avec des partenaires sociaux, que le CTP était un outil du dialogue social. Hein, on ne peut plus, là, de celui-là, quoi, le dialogue social. Alors là, pareil, hein, on est plutôt sur un fou famille, quoi, hein, le dialogue social. C'est cool! Tu vois, on s'entend vraiment bien, le patron et moi. On voudrait décider d'un truc commun ensemble, un bon compromis pour savoir comment il va mieux l'exploiter. Je trouve ça super, quoi. Dialogue social. Mais j'avais beau le savoir que c'était de la langue de bois, n'empêche que tu t'empêtres dedans. Parce qu'ils disaient, mais quand même, pourquoi tu t'énerves comme ça? Ça va pas, c'est quoi ce rapport de force? On est quand même capable de discuter, t'étais là. Non! Mais c'est, ça marche, quoi, t'es dedans, t'es là, dans la gadoue, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce CTP, quoi? Ça va pas, en fait, je suis pris au piège, quoi. Ouais. Ça, le dialogue social, hein, on n'en peut plus. Je peux s'y entendre, celui-là, on gagne à toutes les sauces. Hein. La rénovation du dialogue social. Nous ferons une nouvelle loi sur la modernisation du dialogue social. Wow! C'est calme avec ça, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont? La dernière loi en date, appliquée, parce qu'il va y en avoir une autre bientôt sur le dialogue social, c'est celle de François Rebsamen, un homme blanc de plus de 50 ans, qui était ministre du Travail de François Hollande, qui a fait une loi sur la modernisation du dialogue social en 2013, dans laquelle il a d'ailleurs diminué la représentativité syndicale. Ouais, c'est vrai, quand même, on était quand même trop partenaires, fallait pas abuser, quoi. Et puis dans cette loi aussi, François Rebsamen, il a essayé de s'attaquer encore un peu plus aux inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Je vous rappelle que déjà, on est plutôt à 23% d'écart de salaire, à poste égal, quand on a la chance d'avoir le même poste, qu'on est plutôt regroupés dans 20% des métiers. Sinon, à poste égal, on est à 23% d'écart. Sur ces 23%, il y en a juste 10% qui sont liés au fait que vous êtes une femme. Pas parce que vous avez moins de diplômes, parce que vous avez moins d'ancienneté, juste parce que tu es une femme. 10%. Et donc, François Rebsamen, lui, il trouvait qu'en termes d'égalité, on était bien. Ouh là là, on était large. On était déjà arrivé, on avait tout obtenu. Et donc, il avait voulu faire retirer de la loi l'obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés de produire le RSC, le revenu de situation comparée, qui avait été créé par la loi Roudy en 83, qui oblige donc ces entreprises à fournir, ben justement, une étude qui montre à métier égal quels sont les revenus. Et si les revenus diffèrent trop, l'entreprise peut avoir une pénalité qui va jusqu'à 1% de la masse salariale, qui est quand même pas mal, quoi. Il avait dit, oh, c'est plus obligé de le fournir, non. Là, quand même, il y a eu quelques féministes, militantes, associatives, politiques, syndicalistes, qui sont montées au créneau, qui ont pris rendez-vous avec sa mère pour lui expliquer quand même qu'on était loin de l'égalité salariale. Et puis, il y a eu une réunion, puis en sortant de la réunion, François Rebsamen, il a dit, non, mais c'est bon, c'est réglé, c'est parce qu'il y avait un malentendu. En deux mots, moi, je pense, le malentendu. En tout cas, effectivement, il va y en avoir une nouvelle loi sur le dialogue social. Une loi d'application par ordonnance du dialogue social. C'est beau. Déjà, par ordonnance, ça te dit quand même le niveau de dialogue social. Là, on est vraiment à moins un, manipulation. Il n'y en aura pas. Comme ça, c'est dit. Et puis, dans cette loi, dans les quelques éléments, je ne vous la déploie pas tous parce qu'on va mourir maintenant. Il y a notamment, effectivement, la possibilité pour le patron, dans les toutes petites entreprises, d'organiser un référendum à son initiative. Tu vois le malaise, quoi. Il y a quatre dans l'entreprise, c'est le patron qui dit « Bon alors,
Vous regardez vos salaires, hein? On va devoir travailler plus, c'est d'accord? Oui, Gérard, je n'ose même pas lui dire non, quoi. Voilà, il va falloir que les syndicats ils fassent preuve de leur représentativité. Hein, pour pouvoir parler au nom des gens, il faudra qu'ils soient représentatifs. Alors, on ne sait pas sur quelle échelle. Par contre, si on regarde un peu les chiffres, là, CGT, c'est 700 000 adhérents. Voilà. Et puis, le MEDEF, c'est 300 000 adhérents. Bon, là, eux, ils n'ont pas du tout à faire preuve de leur représentativité. Ça marche. C'est acquis d'avance, quoi. C'est quand même bizarre. Alors moi, dans ma boîte, on était donc 3% de salariés. C'est pas beaucoup. Hein. Dans la fonction publique, on est plutôt à 18%. Je ne parle pas non plus beaucoup, mais je ne sais pas si vous connaissez les chiffres au niveau national. 9. Ouais, voilà, c'est ça. Entre 8 et 10, quoi. Non, ça ne vous fait rien du tout. Bon, d'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais... Parce que moi, j'avais... C'est pas que les gens ne veulent pas syndiquer, mais j'avais vu ça dans ma collectivité, c'est qu'il y avait une forme de syndicalisation par procuration. C'est-à-dire que ben nous, on n'était que trois syndiqués, mais par exemple, quand on allait aux manifs, qu'on revenait, les collègues disaient « Alors ? Alors ? Il y a du monde ?» Ben non, t'étais là, il ne pouvait pas y avoir de monde, quoi. On était trois, quoi. Mais c'était pas méchant, quoi. Bon, déjà, ils croyaient qu'il fallait être syndiqué pour faire grève. Qui est quand même encore un truc qu'il faut préciser. Oui, tu peux faire grève, même si tu n'es pas syndiqué. S'il y a un mot d'ordre national, c'est un mot d'ordre local. Si tu en fais un toi-même sur un bout de feuille que tu donnes à ton patron, tu peux faire grève de ton côté tout seul. Enfin bref, ils croyaient ça. Et puis surtout, ils nous avaient élus pour ça. On était leurs représentants syndicaux, quoi. Alors ils disaient, vas-y, toi. Tu sais, t'étais volontaire en plus, vous voyez, t'es venu nous voir, t'as fait le tour des collègues, t'as dit, voilà, on pourrait faire des trucs, on va y aller, nous, t'as qu'à voter pour nous. La représentativité, ça coupe les jambes, quoi. T'as vraiment l'impression que quelqu'un va s'occuper pour toi de ton truc, alors qu'il faudrait qu'on fasse ensemble, quoi. Bon, en tout cas... on a vachement entendu parler pendant les élections présidentielles du vote utile. Ils nous ont saoulés avec ça, là. Il faut voter utile, il faut faire page, il faut national. Moi, je me disais que là, on pourrait peut-être juste se syndiquer utile. Comme ça, juste pour voir, un an, et on voit, tiens, si on est représentatif ou pas, 3 millions, 4 millions, ça serait marrant quand même. Et puis tout à l'heure, je vous disais que dialogue social, là, c'était vraiment un mot de la langue de bois qu'on nous donnait partout. Et si on le traduisait, dialogue social, en fait, il faudrait entendre lutte des classes. C'est ça le vrai mot derrière un dialogue social. Et lutte des classes, je dis ça parce qu'on n'arrête pas de nous dire, je refais référence au fait qu'on est archaïque. On dit ça, on dit non, arrête, lutte des classes. Non, mais c'est bon, ça n'existe plus, la lutte des classes. T'es complètement ringard, ma pauvre. Mais c'est fini, ça faut être moderne, on est avec son temps, tu n'entrais pas, on est le 21e siècle, tu te rends compte. J'ai entendu une phrase, en tout cas, j'ai lu une phrase de Warren Buffett, qui était alors première fortune mondiale en 2008, qui lui disait la lutte des classes existe. C'est même nous, les riches, qui la menons, et c'est nous qui allons la gagner. Ah oui, en fait, ça existe. Merde. Bon, bah, moi, je peux vous donner rendez-vous le 10 octobre dans la rue, si vous voulez. Voilà, CGT ou pas. En tout cas, après ça, c'est devenu un peu compliqué avec ma direction. Moi, j'ai continué de me former, de me syndiquer. Je suis rentrée au bureau de l'Union départementale, au bureau de l'Union régionale. J'étais à bloc dans la syndicalisation, à fond, à fond, à fond. Et ça, je trouve que ma direction, ils n'ont pas su l'apprécier à sa juste valeur. Non, ils ne voyaient pas la plus-value, quoi. Et ça a un peu contribué à m'isoler. Alors rien, hein, c'est des petites choses, hein, tu ne le vois pas au début, c'est des réunions auxquelles tu n'es pas invité, alors que c'est quand même ton sujet. Ou alors des notes de service qu'il faut refaire une deuxième fois parce qu'il y a un truc qui n'est pas clair. Ou des notes de service sur des sujets qui ne vont intéresser personne. Par exemple, moi, maman, on m'avait dit, bon, écoute, là, laisse tomber là, tout ce que tu es en train de faire. Pendant 2 mois, tu vas te concentrer sur... on était propriétaire d'un parc floral. On aimerait bien que tu réfléchisses ce que ça va devenir. Hein, ça pourrait être quoi, le projet? Ouais, super, quoi. Là, j'étais à fond, pédagogie, environnement, éolienne, là, jardin potager, j'avais tout refait, CAT, tout. Et je l'ai rendu. Et puis, je l'avais à peine rendu, qu'ils l'ont mis à la poubelle. Donc là, c'est vrai que ça...
Mais tu comprends que tu sers, enfin, qu'on veut te faire passer un message, quoi. Et jusqu'à cette réunion, à laquelle je n'étais pas invitée, une réunion à laquelle ils se disaient, bon là, le service tourisme, va peut-être falloir un petit peu le revoir, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire de Madame Lepage, quoi. Donc, j'imagine ce qu'ils ont pu imaginer pour moi, hein. J'y étais là, jusqu'au burn-out, quoi. Ce matin-là, où je ne me suis pas levée, quoi. Je ne pouvais plus marcher, je ne comprenais rien du tout à ce qui m'arrivait. Quoi. Plus. Je ne pouvais plus me mettre debout sur mes jambes. Deux séjours à l'hôpital, 3 semaines de cancer, j'étais complètement paumée. Quoi. Je ne comprenais pas comment j'avais fait pour me retrouver là, en arrêt maladie, avec ce corset complètement crevé. J'étais revenue chez mes parents parce que je ne pouvais pas manger toute seule. Je me disais, mais merde, je suis en train de... Je fuis, quoi. Mes collègues, là, on a plein de trucs en cours, on a des projets, syndicalement, on avait plein de trucs qui allaient se passer. Je ne pouvais pas me barrer comme ça, quoi. Parce que pendant mon arrêt maladie, mon contrat s'était terminé. Alors, à ma direction, il m'appelait chez moi pour dire, ouais, tu sais, je voudrais venir à un rendez-vous, on a un nouveau poste à proposer d'un an, avec des nouvelles compétences. Je ne savais pas quoi faire. J'avais vraiment l'impression de tout abandonner, d'abandonner tout le monde. Alors, je me suis dit, bah, je vais demander à mon père. Mais il va me dire quoi, il saura. Non, mais comment il est malade. Mais tu te casses, quoi. Mais tu ne vois pas la maltraitance que tu es en train de vivre. C'est pas grave. Là, c'est perdu. Là, vous êtes pas. Il s'est passé quelque chose, mais tu ne peux pas rester comme ça. Oui, mais tu sais, on a plein de collègues, on avait prévu de faire des trucs, puis il y a des projets encore, puis moi j'ai entraîné des gens avec moi, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Alors j'ai appelé mon représentant syndical, moi aussi j'en avais un homme blanc, il a plus de 50 ans. Ouais, syndical aussi, ouais. Oui, Corinne, oui. Non, moi non, tu peux pas te casser. Mais non, t'as quand même un super boulot, t'es bien payé. Non, mais reste, on va aller faire chier. Je me suis toujours demandé qui était on. Par contre, j'ai assez vite compris qui on allait faire chier. Alors, je suis partie. C'est là que j'ai compris la notion de productivité. Un emploi, à tout prix. Moi, je voulais bien un emploi. J'étais pas contre l'idée. Mais je voulais qu'il ait un peu un sens social, politique. Alors après ça, ben, j'étais chez moi. Et là, c'est le burn-out qui prend toute sa mesure. Souvent, on dit que le burn-out, c'est la déprime, la dépression. Pas toujours, pas pour tout le monde. C'est un des symptômes. Moi, ça a vraiment consisté à... Une explosion musculaire, articulaire, osseuse, tout mon corps, tout ce que j'avais retenu comme ça, tout ce qui m'avait pris, toutes les maltraitances que j'avais vécues, les petits trucs, les petites brimades, depuis quelques mois, je les avais pris sur moi, et là, tout d'un coup, bam, et je me suis retrouvée mal partout, atteinte de ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de fibromyalgie, qui se définit par t'as mal tout le temps partout. Je me sentais mal, je me sentais malade, j'étais malade de mon travail. Mon travail m'avait rendue malade. Mais ça, je ne pouvais pas le dire. J'avais pas le droit de le dire parce que le burn-out, c'est pas une maladie professionnelle. C'est pas reconnu comme maladie professionnelle. On peut remercier de nouveau François Rebsamen, qui dans sa fameuse loi de rénovation du dialogue social, a refusé de faire inscrire le burn-out sur la liste des maladies professionnelles. Parce que, outre pour faire plaisir au MEDEF, selon lui, il est compliqué dans les symptômes du burn-out de différencier ce qui était l'ordre du personnel et de l'ordre du professionnel. Mais quel imbécile! Évidemment qu'il y a des choses personnelles, évidemment qu'on nous demande de venir travailler avec qui on est, c'est même sur ça qu'il s'appuie pour nous exploiter. Tu sais, sois créatif, engage-toi, implique-toi dans ton boulot. Et après, quand t'es malin, on te dit, bah oui, c'est de ta faute, t'es un peu fragile. Ça, c'est le nouveau truc, hein. On est vraiment devenu entrepreneur de nous-mêmes. On est notre propre entreprise. Alors, le burn-out, c'est comme un mauvais investissement qu'on a fait. Il faut l'assumer. Désolé. Ça, c'est la nouveauté du néolibéralisme.
Pour le marxiste, le travailleur, il a une force de travail qu'il cède à son employeur et qu'il échange contre un salaire et qu'il dépense au cours du travail. Cette force de travail, elle l'aliène, bien sûr, mais elle lui en est dissociable. La force du néolibéralisme, c'est d'avoir remplacé cette force de travail par des compétences, des saloperies de compétences, des savoir-être, vous savez, qui nous sont intrinsèquement liés à nos personnes. Vous voyez, ça augmente légèrement le niveau d'aliénation. Ça nous est indissociable. Quand on nous évalue, c'est nous qu'on évalue, pas le travail. Alors, ben, effectivement, on devient notre propre capital et la source de notre revenu. Burnout, c'est une mauvaise gestion du capital. Alors, les compétences, celui-là, dans la langue de bois, pour moi, c'est le pire. C'est le pire parce que c'est celui que j'ai vraiment vécu en moi, quoi. Ce savoir-être. Cette idée que mon travail, c'est moi. C'est pas un savoir-faire que je mets en œuvre parce que j'ai une qualification. C'est je viens avec moi. Donc c'est tout moi entier qui travaille. C'est moi qui suis évaluée et c'est moi qui souffre. Quoi. Je suis mon travail. Et ces compétences-là, elles ne sont pas arrivées comme ça par hasard. Quoi. C'est vrai que le mot compétence, pour le remplacer aujourd'hui, il faut quand même y aller. Quoi. Je suis qualifiée, ok, je suis qualifiée. On a du mal quoi, à ne pas l'utiliser. Quoi. Et le mot compétence, il est arrivé, pas de façon anodine, non, il est arrivé en 72 aux assises nationales du CNPF, l'ancêtre du MEDEF, les assises de Marseille. On est donc après 68, hein, je vous rappelle, 35% d'augmentation du SMIC, 10% des salaires, 4e semaine de congés payés. Ils l'ont mauvaise, hein, le patronat, ils n'ont pas dû venir du tout, ça. Et là, ils se disent, non, c'est bon, on ne va pas se faire avoir une deuxième fois, on s'organise. Et donc, ils font venir des gens, des experts des États-Unis qui vont les aider à mettre en place tout un programme de modification du travail pour les 40 années à venir, et qui s'est donc mis en place aujourd'hui. Et parmi ces choses-là, il y a d'abord l'individualisation des horaires. C'est tout con, ça, mais moi, je me souviens, mon père, quand on l'emmenait à l'usine, tout le monde arrivait en même temps le matin, à 8h, et puis on allait avec ma mère nous chercher à 17h, et là, ça sonnait, et pouf, tout le monde partait comme ça, hyper content, sortait dans la cour, en tout cas, ils arrivaient tous en même temps. Et quand t'es syndiqué, c'est génial, tu veux distribuer un tract, là, ok, t'as tout le monde est là, vas-y, maintenant, distribue un tract à la sortie d'une usine. Tu fais le matin pour les gars du matin, l'après-midi pour les gars de l'après-midi, le soir pour les gens qui font les bureaux, le ménage, les cadres qui vont être à une autre heure, tu faut être là, là toute la journée, tout le temps, et ça te sort au bout à bout, quoi. Pas facile de faire du collectif dans ces conditions-là. Après, ils ont fait des primes. Ça aussi, tu vois. Tu sais pas si ton collègue, il a eu la prime. Tu penses bien que tu vas pas aller t'en vanter comme ça dans les couloirs. Voilà, moi je l'ai eu, je sais pas si je vais avoir une fois, je préfère rien dire. Après, il y a eu l'individualisation des salaires, carrément. Alors là, on sait plus qui fait quoi, qui est payé pourquoi, qui fait quoi comme métier. Et puis enfin, il y a eu aussi le début des entretiens individuels, les cercles de qualité, hein, l'ancêtre de la démarche qualité, comment s'améliorer tout le temps avec moins de moyens. Et puis surtout, il y a eu les compétences, le remplacement des savoir-faire par des savoir-être. Et pourquoi ils nous ont amené ce mot-là? Parce que les corporations qui ont le plus fait chier pendant 68, c'est les gens qui avaient des métiers, les cheminots, les profs, c'est vraiment des gens qui savent c'est quoi leur métier, quoi. Donc, eux, ils sont organisés, ils ont des syndicats, quoi. Moi, par exemple, j'étais agent de développement. Bonjour, je cherche le syndicat des agents de développement. Oui. Après, j'ai été chargée de mission. Chargée de mission, on est combien dans cette chargée de mission? Ça ne veut rien dire du tout, quoi. C'est pas un métier. D'ailleurs, il m'avait dit, bon, tu sais répondre au téléphone? Ouais. Tu parles anglais? Ouais. Eh bien, tu vois, tu pourras faire l'accueil à l'office de tourisme. Écoute, tu sais le faire ou tu sais pas le faire? Ouais. Hein, tu sais pas comment sortir de ce truc-là, quoi. Alors quand t'as un métier, tu vois, t'as été formé, tu sais c'est quoi ton métier, pourquoi t'es là? Tu dis, ben non, je m'excuse, mon métier c'est ça, je peux pas faire autre chose, quoi. Ouais. Alors bah, maintenant, hein, la prochaine étape, hein, après être entrepreneur de soi-même, c'est plutôt être auto-entrepreneur. Tous ubérisés, quoi. Ça, c'est vraiment un retour au 19e siècle, hein, ce que je vous disais avant le contrat, avant la naissance du Code du travail. On se louera les uns aux autres, du coup, sous-traitance en cascade.
On évite les cotisations patronales, donc on fait mourir le service public. Ça, auto-entrepreneur, c'est quoi ce nouveau délire, quoi? On va tous devenir auto-entrepreneurs. Ça les arrange bien, hein, ce petit détour par l'auto-entrepreneuriat. Alors, outre pour casser le collectif, parce que c'est sûr que là, pour le coup, tu vas tout seul dans ta branche, quoi, pour s'organiser, ça va être compliqué, quoi. Mais c'est surtout l'idée de péter le code du travail à travers ça, quoi. De rendre la flexibilité et la précarité la règle. Parce que tout le monde sera comme ça, sur le fil, en équilibre, sans savoir où il travaillera demain, et ça deviendra normal. On n'arrête pas de nous dire partout, là, dans les médias, l'auto-entrepreneuriat, vous aussi, montez votre entreprise avec un euro, montez votre entreprise, tu as un savoir-faire, tu voudrais le faire. Mais n'importe quoi. 93% des actifs sont des salariés. C'est quoi cette idée qu'on va être tous auto-entrepreneurs? Ils ont vu ça où? Je pense que ce petit détour-là, cette syntaxe, par ce mot, c'est vraiment de nous dire on va péter le code du travail, puis après on vous mettra salarié. Parce que quand même, on veut bien vous avoir un subordonné, mais sans les droits. Ouais. Et ça passe évidemment par l'usage abusif de la langue de bois. Et j'ai trouvé il n'y a pas longtemps une énorme perle de langue de bois. Là, vous voyez, on a bossé un peu depuis le début. Vous allez pouvoir en faire la traduction vous-même. J'ai écouté, j'ai fait ça, le discours de politique générale d'Edouard Philippe par l'Assemblée nationale. Et il est fort. Il a plus bossé que nous. Voilà ce qu'il dit. Bon, en partie. Hein. Je vous la lis, puis après, on fera des petites traductions. Nous avons tracé la feuille de route de la rénovation sociale. Il faut renforcer le dialogue social dans les branches et les entreprises. Il faut redonner du pouvoir d'achat aux actifs. Il faut sécuriser le parcours professionnel. Rendre le système de retraite plus juste et plus lisible, car l'urgence sociale est forte. Là, on se dit, c'est super! Bravo! Qu'est-ce qu'il dit déjà? Nous avons tracé la feuille de route de la rénovation sociale. Bon, le néolibéralisme, on est d'accord. Il faut renforcer le dialogue social dans les branches et les entreprises. Donc il faut mettre fin à la lutte des classes en contournant les syndicats. Il faut redonner du pouvoir d'achat aux actifs. Il faut supprimer les cotisations patronales pour éliminer le service public et marginaliser les chômeurs. Il faut sécuriser le parcours professionnel, voilà, flexibiliser, hein, voilà, et rendre le système de retraite plus juste et plus lisible. On va dire donc pour ta retraite, tu te débrouilles, hein, c'est quand même pas notre problème, hein, faut te prendre en charge un peu. Hein. L'urgence sociale est forte, nous avons gagné la lutte des classes. C'est bon, hein, il a tout dit, hein, en fait, si on écoute bien, on sait ce qu'ils vont faire, quoi. Il paraît qu'il y aurait 200 personnes qui auraient réussi à faire reconnaître leur burn-out comme maladie professionnelle. 200. 3,5 millions de personnes ayant des symptômes. 200 au prix d'un long parcours devant des commissions régionales, médicales, avec des médecins, parfois des orthopédistes, qui vont définir si oui, tu es à 80% handicapé par ton travail. Tu penses bien que dans l'état où tu es, tu as tout sauf envie de passer devant une commission médicale. Moi, je valais ça. Moi, de toute façon, je ne disais même pas que j'avais fait un burn-out. J'ai eu un petit différent avec ma direction. J'étais même pas capable de prononcer le mot, alors... Et puis moi, j'avais un cartable, quand même. J'avais un super cartable marron. Alors, j'ai pris mon petit cartable, puis j'ai cherché du travail, et j'en ai retrouvé. J'ai rebondi. Ah ben oui, il me l'avait dit, mes collègues, j'ai rebondi. Alors, le même. Chargé de mission, mais ailleurs. C'était pas très très loin, c'était à 90 km de chez moi. Mais en même temps, de partir de chez moi, ben, personne ne me connaissait là-bas. J'avais plus aucune étiquette collée à la peau. Personne ne connaissait mon histoire, mon parcours. Waouh, c'était bizarre. Alors là, le décollage a eu lieu, quoi. J'ai fait ce qu'on appelle, en éducation populaire, un pas de côté. J'ai pu voir. Ah oui, c'est vrai que le militantisme que je portais, c'était celui de mes parents. Ah bon? Ah oui, effectivement, les rapports humains en politique sont vraiment violents. Bien sûr, c'est un burn-out que j'ai vécu. C'est fou, hein. Là, ça a été fulgurant pour moi. En 2 ans, j'ai rencontré mon compagnon, j'ai fait un enfant, je suis devenue éducatrice populaire, j'ai redéménagé et mon père est décédé d'un cancer.
tous les deux, on avait fait une boucle. On s'était dit, on avait passé le relais un peu. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire cette conférence gesticulée. Et quand j'ai commencé à faire ma conférence gesticulée, j'ai fait un schéma. Super schéma. J'espère que tout le monde le voit. Qui symbolise, pour moi, les différentes postures militantes que j'ai pu, rencontrer au cours de mon parcours. Alors, lutter dans le système, lutter contre le système et lutter à côté du système. En gros, les trois postures que j'avais expérimentées. Alors évidemment, je me suis surtout rendu compte que j'avais passé trois quarts de ma vie là, dedans. Alors vous voyez, j'ai mis « dans » et « avec ». Parce que parfois, on croit lutter dans le système et on se retrouve à faire avec. C'est vraiment le cas des fondeurs. On n'est pas d'accord. Bon, si, d'accord, ok. Ça passe. C'est bon. Excuse-nous, je te fais. J'avais oublié que je devais être reparti. Et alors, là, c'est un peu, effectivement, hein, le système, soit il t'absorbe, soit il te recrache, quoi. C'est comme la crise qui se nourrit de la crise, quoi. Tu ne peux pas être un petit maillon, un petit grain de sable à l'intérieur. C'est compliqué. C'est peut-être un peu prétentieux, même. Et je me suis dit, c'est marrant, mais comment ça se fait que moi, j'ai passé tout mon temps là? Il y a quand même d'autres trucs. Il doit bien y avoir une raison qui explique que militantisme, pour moi, c'était un militantisme politique. Et j'ai trouvé une étude d'une sociologue qui s'appelle Hélène Duriez, qui explique le processus de militantisation politique. Et elle dit que assez souvent, il y a un militantisme qui se fait après coup. C'est-à-dire qu'il y a un événement, comme moi, la loi Chabada, qui cherchait des gens, et puis après on y va et on écrit notre histoire, quoi. Ouais. Et puis, c'est aussi une façon quand même de se créer une identité, de dire « j'existe ». Moi, j'avais 25 ans et je disais sur la place publique « je pense, j'existe ». C'est vachement fort en termes de création d'identité. Et puis, elle parle aussi de ce qu'elle appelle les gratifications symboliques. Dans le militantisme, c'est vrai qu'on distribue des tracts et des affiches, mais ce qui est génial quand on distribue des tracts, c'est pas distribuer des tracts, c'est après que tu vas boire un coup avec tes copains et que tu te dis « super, hein, oh là là là, là mon avis, oh là, je pense qu'on va faire au moins ça, quoi. » On est à deux doigts. Voilà, on est hyper contents, quoi. C'est des moments... Moi, tous mes amis, c'était des militants politiques. Quand j'ai arrêté la politique, je connaissais personne, quoi. Non, ils me connaissaient plus. Moi, je les avais croisés quand ils m'avaient dit « alors, tu viens quoi ?» Tu disparais de leur champ de vision, il était mort, quoi. Et puis, elle dit surtout aussi que y a tout un processus familial, quoi. Quand même, mon père s'amiquait, ma mère OPS, je m'étais vraiment sentie dans la lignée de leur histoire à eux, quoi. Alors là, j'ai mis la CGT. J'ai hésité un petit peu, parce que quand c'est le CPP, elle est plutôt dedans. Et puis, quand elle est dans la rue pour défendre, il veut être contre la loi El Khomri, merci, quoi. Merci, là, les camarades, bravo, c'était quand même vachement beau à voir. Alors là, j'ai mis contre. J'ai mis que les postures militantes que j'ai rencontrées et que les mouvements militants que j'ai rencontrés. Mais vous pourriez faire le même exercice. Aujourd'hui, il existe des centaines de mouvements activistes, là, des clowns, des occupations de logements. Chacun pourrait la situer dans ce schéma selon son propre vécu. Et donc, la contre, j'ai mis la ZAD. Voilà, c'est-à-dire que le conflit est un outil d'affrontement au capitalisme. S'attaquer à une infrastructure qui est le symbole du pouvoir est vraiment un acte militant, quoi. Parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on s'oppose, parce qu'on va mettre au travail nos contradictions, c'est ça qui va faire qu'on va exister, pas parce qu'on va être tous d'accord ici, tout le monde va se taire quand on aura voté, quoi. Là, j'ai mis sans et à côté, j'ai mis nuit debout. Alors, c'est pareil. Parfois, on croit faire à côté le pouvoir, et puis on en recrée un autre, juste à côté, un tout aussi maltraitant. Et j'ai mis nuit debout. Alors, moi, nuit debout, ce qui m'a scotché, c'est le 31 mars, quand on a dit « on rentre pas chez nous ». Frédéric Lordon, il a dit « nous ne revendiquons rien ». Moi, je trouvais ça hyper fort. J'avais passé mon temps là, quoi, à revendiquer des trucs. Et là, on revendiquait rien. On allait juste parler entre nous et faire selon notre propre calendrier. Je trouvais que ça avait une force incroyable. Moi, ça me libérait, quoi.
Alors, ce qui différencie aussi... c'est le télé avant, on avait des soucis, il faut y aller. Alors, ce qui différencie aussi ces trois formes de militantisme, c'est leur rapport à la démocratie. Voilà, on est vraiment dans la dictature du chiffre, quoi. 50,3% ont dit non, alors les 49,7% autres se taisent. Ok, mais sinon on fait quoi vraiment de ces gens? On fait comme s'ils n'avaient pas été d'accord avec nous? On attend dans 5 ans qu'ils reviennent voter, qu'ils soient encore un peu plus en colère? C'est quoi l'idée? Je sais pas. Là, la démocratie, bah, c'est le conflit, c'est le dissensus, c'est le relief, c'est dans les reliefs. C'est justement parce qu'on n'est pas d'accord et parce que ce qu'on fait là n'est pas reproductible que ça a un intérêt, quoi. Et puis ben là, la démocratie, c'est un être humain, une voix. À nuit debout, tout le monde a du pouvoir. Toi, moi, lui, on l'a tous. Donc on n'en a pas, quoi. Ce qui les différencie aussi, c'est leur rapport au peuple. Ici, c'est vraiment ce sur quoi on s'appuie pour mieux l'exclure. Hein, je suis le peuple. Là, par exemple, là c'est le peuple qui agit, qui est dans l'action. Et ici, c'est comme, vous savez, en Égypte, quand ils sont réunis sur les places, le peuple c'est un corps physique qui se dit légitime à dire nous, qui existe par sa présence physique. Ce qui les différencie aussi, c'est leur rapport à l'incarnation au pouvoir. Ben là, on est vraiment en incarnation maximale. Hein. Vous souvenez, moi, président, je. Là, on a vraiment une incarnation maximale. Là, ben, dans les ZAD, quand on veut s'exprimer avec l'extérieur, qu'on soit un garçon, une fille, on est Camille. Un prénom mixte. Pas d'incarnation. Et puis ben là, Nuit Debout, c'est quoi? J'avais participé au rassemblement des Nuits Debout à Pimpon. Maintenant un été. Et la question c'était ça. La Nuit Debout c'est quoi? Eh, Nuit Debout c'est qui? Ah oui, c'est toi, c'est moi. Ben, c'est tout le monde. Donc c'est personne, pas d'incarnation. Si t'as envie que c'est toi, vas-y quoi. Ah ouais. Alors aujourd'hui, mon militantisme a un peu changé. J'ai beaucoup moins envie de convaincre les gens. J'ai plutôt envie qu'on soit capable de voir les dominations qu'on subit, individuellement, collectivement, qu'elles soient croisées, par sexe, par âge, par sexualité, par religion, ce qu'on appelle l'intersectionnisme. J'ai envie de pouvoir en comprendre les causes structurelles, pour pas avoir à dire « oui, c'est de la faute d'un tel, parce qu'il est comme ça, oui, c'est de la faute de la science ». Non, quelles sont les causes structurelles qui font qu'on est dans des situations dominées, qu'on a des vies sous des rapports sociaux, quoi. J'ai envie de mettre à jour des visages, de pouvoir nommer et de pouvoir rendre humain le patriarcat et le capitalisme. Je n'ai rien contre les hommes, non, même plus de 50 ans. Je préfère vous le dire tout de suite. Je ne dis pas que tous les hommes blancs de plus de 50 ans ont du pouvoir. Je dis qu'à chaque fois qu'il y a du pouvoir, c'est un homme blanc de plus de 50 ans. Ne le prenez pas mal. J'ai toujours une file d'hommes blancs de plus de 50 ans qui m'attend à la fin. Là, j'ai rajouté ça. Et donc, c'est ça que j'ai envie de faire aujourd'hui. J'ai envie de rendre plus poreuses les frontières entre le militant, l'engagé, le citoyen. J'ai envie de reconstruire au contraire des frontières politiques, des frontières entre le et le nous, entre le peuple et l'oligarchie. J'ai envie de refaire lutte des classes, quoi. Ça m'intéresse. J'ai envie de faire converger nos luttes, de tisser nos colères. Et puis à ce propos-là, j'ai trouvé une autre définition du collage que je trouve vraiment plus sympa et qui, moi, me rappelle la convergence des luttes. Il s'agit d'organiser des formes, des couleurs et surtout des matières que rien ne destinait à coexister dans un espace donné. Ah, c'est moins rigide comme ça, quand même. C'est Geneviève Bonnefoy. Finalement, c'est bien critique. En tout cas, est-ce que le grand soir viendra? Est-ce que ce sera par la rue, par les urnes? Est-ce que ce sera une insurrection populaire? Ou est-ce que la révolution, au contraire, est un processus plus lent, plus long? En tout cas, moi je trouve, comme dit Edgar Morin, qu'il y a quand même une métamorphose en cours. Je trouve que quand on le regarde comme ça, on le voit moins là quand même. Hein, on voit bien que quelque chose est en train de se passer, que ça bouge, que les choses s'immiscent dans les interstices.
La preuve que quelque chose va se passer, c'est qu'on ne voit rien venir. Juste avant de terminer, je voulais juste vous lire une petite phrase d'Aragon, qui était un poète surréaliste, le mouvement qui a suivi le mouvement Dada en 1930, et qui dit ça. « Attention à la période qui vient. Ce monde déjà se lézarde. Il a en lui quelques dénégations ignorées. Il craque. Suivez la fumée qui s'élève. » Le coup des fouets des spectres au milieu de l'univers bourgeois. Il y a vraiment de la diabline dans l'air. Alors, merci au Festival Octobre Bouge. Merci à vous d'être venus si nombreux. Restez, si vous voulez, il y a une autre conférence à 20h sur les classes sociales. Ou pas, comme vous voulez. Je vous souhaite à tous de belles luttes dans la rue, dans les urnes. À une de ces postures-là, je vous souhaite des victoires, des petites, des grandes, des échecs aussi, parce que c'est bien aussi. Et puis je nous souhaite de nous retrouver bientôt ailleurs. Merci beaucoup, à bientôt.